Salut Clémence, ça va? Bah écoute, ça va et toi? Super bien, prête pour voilà, cette nouvelle session. Depuis qu'on s'est vu il y a à peine 2 heures. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du coup des adaptations en bande dessinée, enfin d'œuvres en bande dessinée. Et du coup, pour ça, on accueille plusieurs auteurs. Alors, on a Ravi Ray, qui va apparaître sous cet écran. Bonjour Ravi, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Merci pour l'invitation, pour être là. Je t'en prie. On a Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Salut. Bonjour, salut. Merci. Et ensuite, désolé, Dorian, pas de souci, excuse-moi. On a Lilian qui va nous rejoindre sous cet écran aussi. Bonjour, bonjour Lilian. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation, c'est super de pouvoir échanger tous ensemble pour parler de nos beaux métiers. Ben ça me fait plaisir aussi, ça nous fait plaisir aussi à tous. Et pour finir, on a Sébastien qui va enfin nous rejoindre sur cet écran. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut. Merci de nous recevoir. Ben, pas de souci, on est vraiment content de vous avoir ici. Et oui, je vois dans le chat une question. On vous prépare des dingueries. Alors, avant de commencer le débat sur tout simplement l'adaptation d'une œuvre en BD, Raphaël, donc ma super collègue, vous a préparé des biographies. Globalement, elles sont assez complètes, mais c'est des bibliographies assez rapides pour qu'on puisse enchaîner avec les questions et débattre tous ensemble. Voilà, donc voilà. Raph, je passe la main. Ça marche. Donc oui, comme le disait Clémence, on va dérouler un petit peu vos parcours. N'hésitez pas, si jamais je fais des erreurs, je m'en excuse, n'hésitez pas à corriger au besoin. Et puis, on va évidemment parler ensuite du cœur du sujet, c'est-à-dire adaptation entre œuvres littéraires, romans et bandes dessinées. Je commence avec vous. Je ne sais pas si je vous vois ou je tutoie. Donc, j'ai fait des questions en vous, donc je vous vois. Pour la forme, Ravi. Ravi Ray, vous êtes né en 1982. Voilà, information très importante, à Bruxelles. Mais vous avez grandi et vous vivez toujours actuellement à Barcelone, en Espagne. Mmh. Vous avez étudié à la prestigieuse école d'illustration catalane de Barcelone qui s'appelle la Escola Joso, Rosso, je ne sais pas trop comment on prononce. Rosso. Tu peux mettre tutoyer, s'il te plaît. Ok, ça marche, je te tutoie. Tu as commencé du coup à travailler dans l'animation indépendante et dans le storyboard dans le milieu de la publicité. Et ta première incursion dans le monde de la BD se fait par l'intermédiaire de Franck Giroux qui t'a recruté sur la série Adélante, qui est une série d'aventures dont une intégrale est disponible aux éditions du Puy dans la collection Air Libre. Mmh. On te doit également l'album Un maillot pour l'Algérie, toujours chez le même éditeur, dans la même collection. Une BD scénarisée par Chris et Bertrand Gallic, et qui retrace l'histoire de la première équipe de football nationale algérienne
qui a été fondée un peu clandestinement au moment de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et cette collaboration fructueuse avec ces deux scénaristes s'est prolongée chez un autre éditeur, chez Futuropolis, avec la série Violette Maurice. Violette Maurice à abattre par tout moyen, précise, qui est une série qui n'est pas terminée. Deux tomes ont paru aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pardon. Violette Maurice, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'était une grande sportive, amie entre autres de Jean Cocteau, et qui en fait a été abattue par la résistance, puisque il paraîtrait qu'elle aurait collaboré activement avec le régime nazi. Donc c'est un personnage de l'histoire qui est assez clivant, et cette BD est vraiment passionnante. Et puis mentionnons donc l'album dont on va beaucoup parler ce soir, donc Un ennemi du peuple. Une adaptation, donc toujours chez Dupuis, collection Air Libre aussi, une adaptation que j'ai trouvée magistrale vraiment de la pièce éponyme d'Henrik Ibsen, le dramaturge norvégien, dont les thèmes malheureusement sont encore d'actualité. On parlera peut-être du topo, enfin de l'histoire après, au moment des questions. D'accord. Et ça va pour toi. Très bien. Pardon, je reviens sur l'écran. En fait, je lis un peu mes notes. Je dois avouer, je ne les ai pas prises par cœur. Non, je ne sais pas. Je continue avec Sébastien Vastra. Tu tutoies toujours ? Ouais, pas de problème. tu es né en 1977, Sébastien, et il paraît que les années 80 ont été, pour l'enfant que tu étais, une source inépuisable pour nourrir ton imaginaire, ton imagination, et pour éveiller... Pas qu'à moi, toute la génération. Bien sûr, il paraît que toi, en tout cas, tu fais partie de ces gens qui disent que c'est vraiment les années de ton enfance qui t'ont marqué. On sait que c'est le cas de beaucoup de dessinateurs, ce sont des années, évidemment. C'est un peu aussi mes années. Les fondations. Ouais, voilà, les fondations, les bases. Du coup, mentionnons quand même ces références de ces années-là. Disney, bien sûr, les univers animés de Recréa 2, puis évidemment du Club Dorothée, qui sont donc un socle de référence pour toi. Du coup, tu pioches un petit peu ton dessin, ton trait va s'inspirer aussi bien auprès des Américains, auprès des Japonais, des Européens. On peut citer Spielberg, Otobo, Miyazaki, évidemment, qui sont des noms qui sont très originaux. Pas très original, mais en même temps, c'est quand même bien de le rappeler parce que c'est les classiques. C'est quand même des classiques, donc voilà, je trouve que c'est bien de rappeler, c'est les classiques aussi. Tu as fait des études d'art plastique avant d'entrer en bande dessinée et tu as démarré, toi, la BD avec la série Mâchefer. Ouais. Scénarisé par Fred Duval. On te doit également c'est très vieux. Oui, mais on remonte, c'est pas grave. C'est pour montrer aussi que les parcours sont riches, donc à moins que vous ayez honte de parler de certains albums, mais je ne pense pas que ça soit le cas, donc parlons de tout ce que vous avez fait. Riche ou chaotique. C'était les débuts. C'était les formations, c'est ça. Voilà. Il y a eu la série de science-fiction Eclipse aussi chez Vent d'Ouest, scénarisée par Antoine Ozanam. J'ai pas mentionné tout à l'heure les coloristes. Il y avait Afroula et Carole Beau qui avaient travaillé à la couleur. On a dit que les 48 heures BD, c'était aussi mettre à l'honneur les coloristes. Et sur Eclipse, il y a Christophe Lacroix qui a colorisé. Et puis, ce dont on va parler ce soir, c'est évidemment Jim Hawkins chez Ankama. Donc, cette adaptation d'un grand classique de la littérature, à savoir L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, dont beaucoup d'adaptations existent, des adaptations ou des illustrations du texte. Mais la tienne d'adaptation, elle est déjà géniale et elle est atypique puisque il y a des personnages anthropomorphes pour jouer le rôle des personnages. C'est une série qui est découpée en 3 tomes. Il y a une intégrale qui est parue en février de cette année et mentionnant que tu es auteur complet, même si c'est une adaptation, le travail de découpe et de re-scénarisation doit être assez important pour le mentionner. C'est ça. J'enchaîne avec Lilian. Voilà. Alors Lilian,
Toi, tu es né en 1975. Tu es un auteur, alors je vais dire des banalités, mais bon, un auteur passionné de BD, de littérature, de cinéma. On s'en doute quand on est scénariste, mais tu sembles quand même avoir une soif assez inextinguible, puisque ta bibliographie est vraiment impressionnante. Alors, je ne vais pas tout citer, mais voilà, on a l'impression que ce soit de la jeunesse, du western, du récit d'anticipation, des adaptations, il n'y a pas de thème qui te résiste. Alors, je vais citer un peu dans le désordre certains de tes albums. Il y a la fantastique série fantastique jeunesse de chez Glénat, Les Géants, dessinée par Paul Drouin, colorisée par Lorient. Il y a toujours avec ces mêmes auteurs, là je retourne en arrière, La Famille Fantastique, qui est une série d'aventures, et également avec ces mêmes comparses, tu as aussi scénarisé la série Jeunesse Citoyen. Et puis, puisqu'il est question d'adaptation littéraire, tu as scénarisé la grosse série Jeunesse à succès, La Quête des Willan, donc qui est une série écrite par Pierre Bottero. C'est une série de fantasy, il y a 7 albums BD qui ont paru à ce jour. C'est dessiné par Laurence Valdetti, c'est colorisé par Loïc Chevalier et ensuite par Nicolas Vial. Et La Quête des Willan se poursuit dans d'autres univers parallèles, on peut dire ça comme ça, puisqu'il y a les mondes des Willan et il y a Elana, qui eux aussi, du coup, ont leurs adaptations en bande dessinée. Et puis, et ça, je pense que ce sera intéressant d'en parler, il y a eu aussi des romans de littérature contemporaine que tu as adaptés, comme celui de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, paru aux éditions Soleil, dessiné et colorisé par Sophie Ruffieux. Et puis, plus récemment, il y a eu aussi le roman de Laetitia Colombani, La Tresse, également chez Soleil, dessiné et colorisé par Adjit. Je m'arrête là pour la bio de Lilian. Merci. Et je termine avec Antoine Rivalan. Toi, Antoine, tu es diplômé de l'école Pivot de Nantes et tu résides dans le Finistère. Alors, je crois qu'actuellement, tu nous parles depuis Rennes. Mais... Oui, depuis Rennes. Alors, la librairie de Fayère. Ok. Alors, tu fais partie, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais voilà, c'est ce que j'ai lu sur les internets, tu fais partie du festival de BD Quai des Bulles. Ouais. Voilà, donc c'est, on rappelle, c'est festival, grand festival de BD qui a lieu chaque année à Saint-Malo fin octobre. Alors, tu as travaillé d'abord sur des ouvrages collaboratifs chez Petit à Petit en tant qu'auteur-illustrateur, notamment sur la série Nantes, voilà, qui raconte bah, l'histoire de la ville de Loire-Atlantique. Ah, il y a un petit bruit, pardon. Il y a aussi eu l'album, un album chez Fleurus, l'album Magellan, le premier tour du monde en 1080 jours. Et puis là, l'année dernière, c'est déjà 2022, est sortie une adaptation, je mets des guillemets, de 3 pièces de Molière sous le titre Molière et les médecins, toujours chez Petit à Petit, que tu as dessiné avec Julien, j'ai peur d'écorcher son nom, Marjorie. C'est comme ça qu'on dit. Je suppose. Ok. Bon, on a pas dessiné ensemble, on a chacun dessiné une pièce différente, donc on ne se connaît pas. Vous n'avez pas eu forcément de contact direct entre vous ou... D'accord. Non, non, pas encore. Pas encore, ok. Et donc, il y a l'autre, le troisième larron, c'est François Foyard, pardon. Ouais. Et donc je disais adaptation avec des guillemets puisque là en fait il n'y a pas eu de réécriture du texte de Molière. Le texte originel est conservé à la virgule près et ça va être vraiment la mise en page et le dessin qui vont permettre au lecteur de s'imprégner de la langue du dramaturge. Et c'est aussi des pièces qui sont, en tout cas moi je ne connaissais pas ces pièces qui sont faites, je pense, moins connu que les autres, à savoir L'amour médecin, Le médecin volant et La jalousie du barbier. Voilà pour les... Je voulais tout savoir. C'est ça. Alors, on peut peut-être démarrer avec une première remarque. Je voulais commencer avec une citation. Alors, c'est une citation de Roland Barthes. En fait, après, on va parler de Roland Barthes avec la 7e fonction du langage et Olivier Perret. Donc, voilà, je vais un peu éboucher Roland Barthes ce soir. Et Roland Barthes disait « Innombrables sont les récits du monde, pardon.
Alors, question toute bête, pourquoi est-ce qu'on adapte une œuvre déjà existante? Qu'est-ce que la BD va apporter en plus à une œuvre originale? Peut-être poser cette première question à Lilian pour démarrer. Merci. Alors, je pense que ça a déjà rapport. L'adaptation, bon, déjà de tout temps, ça existe. Hein, les cinéastes, les musiciens, même les choses. De mon point de vue, en fait, tout n'est qu'adaptation. C'est-à-dire que j'ai une histoire dans ma tête, même si elle est originale, je vais ensuite l'adapter à un média. Et suivant ma connaissance du média, le cinéma, la musique, le roman, la bande dessinée, je vais essayer d'adapter. Si on prend la question sur le transfert finalement d'un roman en bande dessinée, de mon point de vue, elle est toujours liée à l'aventure que j'ai quand je lis le roman. C'est-à-dire que je suis dedans, je prends par exemple La Tresse, que j'achète au hasard un peu en vacances. Voilà, je le prends, je le lis, et au fur et à mesure que je commence à le lire, il y a des images qui m'apparaissent, et de ces images, elles sont dessinées dans ma tête par des artistes que je connais, dont j'aime le travail. Donc, je fais une connexion immédiate entre, finalement, les thèmes du livre qui me plaisent beaucoup. Donc, ça veut dire que je fais un voyage dans le roman que je vis à ma manière, et le dessin, donc des dessins, des trucs que je vois apparaître, et je me dis, waouh, les deux ensemble, ce serait génial. Oui, je sais qu'on racontera la même histoire, mais dans l'adaptation, je vais choisir certains thèmes, certaines choses, et puis je vais venir les travailler, je vais venir enlever certains aspects du roman pour garder ceux qui m'intéressent, qui correspondent à cette espèce de voyage émotionnel que je fais. Et c'est aussi pour moi une manière de le faire, finalement de faire une aventure vraiment à plusieurs. C'est-à-dire que j'ai celle que je vis tout seul en tant que lecteur, j'ai celle que l'aventure qu'on va vivre ensemble avec les artistes avec qui on va travailler le livre, et l'aventure qu'on va avoir aussi avec l'éditeur, l'éditrice et puis le lecteur. Donc ça part d'une envie de partage pour faire que le message qui est dans le livre, les messages qui sont dans le livre, qui sont différents suivant s'ils sont adultes, s'ils sont enfants, s'ils sont sur la famille, s'ils sont sur les femmes, s'ils sont sur les conditions sociales, etc., puissent finalement changer de média. Et quelqu'un qui se dirait La Tresse, je l'ai lu en roman, ou je ne l'ai pas lu, mais ça ne me paraît pas terrible, puisse être attiré d'une autre manière finalement par le message qui est à l'intérieur. Donc, ce qui m'intéresse de montrer, c'est un, de faire participer les lectrices et les lecteurs au voyage intérieur que j'ai vécu, émotionnel et intellectuel, et en même temps d'emmener finalement les gens dans un super écrin où effectivement il faut que l'artiste qui dessine, ma réponse est un peu longue mais j'aurais fini après, où l'artiste qui dessine va aussi trouver un intérêt à raconter cette histoire. Al Jaziras, avec qui on a fait La Tresse, elle n'avait pas publié depuis 16 ans chez les grands éditeurs. Elle avait fait d'autres choses, etc. Et quand je lui ai proposé, elle m'a dit « Ah, mais je ne me voyais pas faire ça. » Elle a lu le roman. Elle m'a dit « Est-ce que tu me vois faire ça ?» Je dis « Tout à fait, je vois ton dessin. Ça va être super. Tu vas pouvoir jouer sur tout ce que tu aimes faire, travailler sur les mains, les visages, etc. » Et au final, je trouve qu'elle a fait une adaptation hyper, hyper, hyper fidèle dans les thématiques, en fait, des personnages de l'univers de Lisa Colombani, mais avec sa patte. Et pour moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est qu'elle est venue apporter aussi son univers comme moi j'ai apporté le mien. Et ensemble, on a fait quelque chose qui, ce que j'appellerais moi, une adaptation d'autrice et d'auteur. C'est-à-dire qu'on prend un texte original, on le fait nôtre parce qu'on se met au milieu, on le déconstruit, on le change. On dit quelque chose à travers, en fait, et on vient rajouter nos thèmes. Mais au final, peut-être qu'on aurait pu écrire ce roman, mais on ne l'est pas romancier. Donc, c'est pour ça qu'on emprunte, en fait, ce truc-là et on s'en sert pour dire des choses qu'on a envie de dire. Donc, en fait, on porte le message de Laetitia Colombani aussi d'une autre manière. Et ce qui est intéressant, c'est le respect absolu du message. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le message soit bien compris, mais on le dit à notre manière. Est-ce que ça répond à votre question? C'est une question, une réponse en tout cas qui me semble assez claire. Après, du coup, j'ai envie de rebondir par exemple auprès de Sébastien Vastra. Est-ce que Lilian disait on va raconter la même histoire? Est-ce que il faut toujours raconter exactement la même chose? Quelle liberté on peut se permettre quand on adapte? Puisque là, il y a une grande liberté de prise. Je
crois pas qu'il ait dit qu'il faille raconter la même histoire, forcément, mais non, bah pourquoi, pour répondre à la question initiale, pourquoi l'adaptation? Bah, je pense que déjà, il y a une forme de rencontre qui se fait avec l'œuvre, et cette rencontre, elle est positive. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans l'adaptation d'un livre, d'un roman ou d'une nouvelle qu'on n'a pas du tout aimé. Bon, forcément, c'est presque une histoire d'amour, ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, ce qui me concerne, c'était un coup de cœur avec un roman. Et ce que dit Lilian est très juste. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, viennent des images. Et alors, forcément, dans le milieu de la bande dessinée, dans un milieu d'illustrateurs et des gens qui ont un imaginaire très développé, bah forcément, la stimulation est très effervescente, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une alchimie qui se crée et on se crée des images très riches, très rapidement. Enfin, moi, ça a été le cas, quoi. Il n'y avait pas une page que je lisais du roman où je n'avais pas déjà des images. Donc, la bande dessinée, elle repose essentiellement sur l'image, quand même. Donc forcément, il y a des connexions qui se font. Et puis voilà pour l'essentiel. Après, il y a une dimension qui est un peu présomptueuse, c'est-à-dire que notre ego nous pousse à nous attaquer à des œuvres. Mais bon, ça c'est l'essence même de notre métier, hein, des métiers artistiques de création. C'est très présomptueux. Il faut reconnaître. Ravirait, c'est présomptueux d'adapter Henri Gibson. C'était comme pour Sébastien, c'est votre livre de chevet, Un ennemi du peuple. Comment t'as rencontré cette En fait, pour répondre un peu à la première question, oui. Je partage ce qu'a dit Lilian sur, si j'ai bien compris, sur la nécessité de que le message de l'œuvre originale arrive à donner une deuxième vie à cet ouvrage original et que le message arrive à plus de personnes. Non? Et pour moi, la BD, c'est, il donne la possibilité de grandir la résonance de ce message. Non? Dans le cas d'Un ennemi du peuple, c'est encore plus parce que c'est un texte du 19e siècle qui s'est un peu oublié, même si c'est une pièce de théâtre qui s'est très, très représentée chaque année. Mais j'ai demandé à beaucoup de personnes de mes amis, mes collègues, et peu de personnes connaissaient ce texte, qui par contre a un message très, très actuel. Alors pour moi, l'objectif initial était de lui donner une autre vie à ce message qui, pour moi, quand je l'ai lu, il était très important de le récupérer. Non? Et après, il y a pour moi aussi, mais ça c'est une chose très personnelle, pour moi, adapter un BD à une origine a été une possibilité de pratiquer l'écriture d'un scénario. C'est une chose un peu égoïste, mais il y a une œuvre qui est parfaite, une œuvre de la littérature universelle qui est parfaite, bien écrite par Ibsen. Et moi, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai analysé, je l'ai essayé de comprendre et réécrire, faire des dialogues, raconter ça avec des images. Ça a été pour moi un cours, un masterclass d'écriture et alors, c'est ça, pour moi, la réponse, c'est deux choses. Que le message continue à s'écouter, à se lire, et apprendre à écrire de ces scénarios, apprendre de les mettre Ibsen. Antoine, du coup, puisque Molière, là, il n'y a pas eu de travail d'écriture comme a fait Ravi, c'était plutôt illustration avec le texte du 17e, comment ça s'est passé? Bah, c'est un exercice qui est plutôt facile, du coup, parce qu'il n'y a vraiment pas de questions à se poser, il n'y a pas de coupe à faire, et le texte est respecté au point virgule près, beaucoup de points virgule, de manière. Et c'est, donc, moi, ce que j'ai trouvé assez amusant et intéressant dans cet exercice, c'est que c'est un entraînement pour faire une adaptation où on n'a pas de choix à se poser. On ne doit pas se demander si la scène, on doit la raccourcir, la supprimer, la combiner avec une autre scène. Enfin, j'avais pas le droit de faire ça. Donc, j'ai adapté telle quelle. Et c'est une première étape, quoi, une espèce
l'initiation à l'adaptation d'œuvres que j'aimerais bien poursuivre sur d'autres œuvres où là il y aurait des travaux de vraie adaptation. Et donc voilà, c'était assez pratique de ne pas se poser de questions, de se laisser guider par le texte pur. Ok. Et parce que c'est marrant, parce que c'est des. Enfin, pour Ravi et pour toi, du coup, c'est des pièces de théâtre. Est-ce que le théâtre, c'est plus facile à adapter en bande dessinée que le roman? Enfin, je ne sais plus combien il y a de pages dans L'île au trésor, par exemple, mais enfin, quand on s'attaque comme ça à des pavés, il faut aussi faire des concessions. Et puis, enfin, je ne sais pas, le théâtre, il y a un côté aussi très. Enfin, il y a malgré. Enfin, je ne sais pas, il y a des images un peu aussi. Qui nous viennent, parce que c'est aussi très représentatif. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile d'adapter des pièces de théâtre que des romans? C'est une question un peu... Pour moi, il y a eu un côté qui était plus facile, parce qu'avant d'Un ennemi du peuple, j'avais adapté un autre roman en Espagne. Une maison d'édition espagnole m'a demandé d'adapter un roman d'un écrivain espagnol qui s'appelle Intempérie. Il est aussi publié en France, mais je peux parler de la double adaptation, d'un roman et d'une pièce de théâtre. C'est pour ça que je l'ai vu. Et pour moi, l'adaptation de le roman a été surtout un effort d'adapter à niveau visuel. J'ai travaillé beaucoup parce que c'était un texte très descriptif qui donnait beaucoup d'informations. Alors, mon travail a été de transformer ces paroles en images. Alors, c'est le travail pour le dessinateur. Par contre, dans la pièce de théâtre, toute la pièce de théâtre se passe dans deux décors, un salon de la maison et aussi à la mer, ou j'ai oublié, un autre décor. Et pour donner le rythme à l'histoire, parce qu'en bande dessinée, une histoire que tu racontes dans un salon, c'est pas possible, ça. C'est un peu moche. Alors, j'ai eu l'obligation de construire tout un univers, tout un village avec des différents décors. Alors, ça a été plus difficile, on peut dire. C'est plus stimulant parce qu'il avait un côté très créatif de construire cet univers, mais plus difficile que les romans qui étaient déjà décrits. Par contre, dans la pièce de théâtre, il y avait des dialogues très bien fait. Alors, je devais, comme c'était une pièce, il était une pièce écrite dans le 19e siècle, j'ai actualisé un peu, j'ai coupé un peu le dialogue parce que dans le théâtre, les personnages peuvent parler et le temps c'est infini, non? Tu peux parler beaucoup, mais dans un bout de bande dessinée, tu dois couper pour donner le rythme. Alors, c'était les deux côtés. Que j'ai vu plus intéressant dans l'adaptation, le dialogue et la création de cet univers visuel. Justement, j'ai une question auquel je rajoute une question dans la question de Raph. Est-ce que justement, par exemple, pour les gros romans, il n'y a pas un exercice plus compliqué à faire dans le sens on ne peut pas tout mettre? Ou est-ce que vous arrivez à tout mettre justement? Parce que je rajoute la question, ça m'intéresse. Question pour qui? Ravi, tu peux compléter, mais bien sûr, vous pouvez tous y aller. Ah, ouais. Ouais, ouais, vas-y, Lilian. Vas-y, Lilian. Non, allez-y. Je m'empare de la réponse parce que, j'ai déjà adapté plusieurs, on va dire, pas forcément des gros romans, mais parfois, c'est des trilogies. Ouais. En réalité, de mon point de vue, le travail se place comme ça, c'est-à-dire... la première fois, par exemple, j'ai été contacté pour adapter Pierre Bottero. Tout ça se passe de manière extrêmement humaine, magique, artistique. C'est pas du tout genre on t'appelle parce que on a besoin de quelqu'un pour écrire. Non, c'est une amie qui m'appelle parce qu'elle bosse dessus et elle me dit je travaille sur un super truc, mais la personne avec qui je travaille comprend pas Pierre Bottero, machin. Est-ce que tu peux pas venir m'aider? J'ai l'impression que t'as la même sensibilité que moi en dessin et peut-être tu auras le même avis sur l'œuvre. Je dis, je connais pas du tout le bouquin. Donc, j'arrive, je vais dans une librairie, j'achète l'intégrale de la quête des Whelan, qui est un gros pavé comme ça. Bon, c'est pas grave. Si j'ai dépensé mon argent pour rien, tant pis. Je lis les 15 premières pages.
Et j'appelle mon ami, je dis, c'est bon, je le fais. Parce que sur les 15 pages, si on lit Willan, il y a tout, il y a tout l'esprit de Pierre Bottero, la manière dont il met ensemble, etc. Et ensuite, une fois que j'ai dit oui, bon, ben voilà, après c'était parti. Il a fallu travailler les planches. Ensuite, j'ai tout lu. C'est-à-dire, j'ai lu tout, finalement, tout l'univers des Willan en BD. Et je me suis, et c'est ce que je rejoins tout à l'heure ce que disait Sébastien, tu le dis de manière extrêmement juste, c'est-à-dire que à un moment donné, je me dis, bah ouais, tranquille, je vais adapter Pierre Bottero, qui est adoré par des centaines de milliers de gens, et moi, hop, avec mon petit crayon et mon petit syndrome de l'imposteur, je vais arriver à te faire un truc génial. Donc, la seule solution, c'était de connaître l'œuvre, de se mettre au milieu, c'est-à-dire, un, de se mettre au milieu, de la découper, techniquement, de la lire, de dire cette séquence, de telle page à telle page, il y a ça qui se passe, pour que j'ai tout, et à la fin même de faire des espèces de notes d'adaptation, c'est-à-dire cette séquence, c'est une information, cette séquence, c'est une émotion. Alors au début, je le faisais de matière hyper méthodique, après, je savais où j'étais, et à la fin, en fait, je me retrouve avec l'ensemble du roman et de l'œuvre de Pierre Bottero, et je suis au milieu, c'est-à-dire que j'ai les textes autour de moi, et là, je viens choisir, je viens piocher un dialogue ici, un truc comme ça, et le seul moyen que moi, j'ai à me sentir bien, c'est de savoir finalement ce que raconte l'histoire à la fin. C'est-à-dire, Willan, ça commence comme ça, ça finit comme ça, et finalement, dans tout ce qu'il dit, qu'est-ce qui m'intéresse? Il y a des lectrices et des lecteurs qui m'ont posé des questions. Oui, comment vous faites pour adapter Pierre Bottero? En tout cas, ceux qui préfèrent, celles et ceux qui préfèrent, me disent, oui, on a l'impression de lire le roman quand on lit les BD. Et je dis, bah, super, merci beaucoup, parce que je choisis toujours, par exemple, dans Willan, je choisis toujours à une séquence d'action, une séquence d'émotion, je choisis toujours l'émotion. Parce que ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche des gens qui sautent par-dessus des trous, qui combattent des dragons, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon délire. Par contre, à chaque fois qu'il va y avoir un mot, une émotion du personnage qui va se transformer, c'est ça que je vais choisir. Donc, tout au long, finalement, de l'adaptation des Willan et de tout, les bandes dessinées, il y a 4 séries hein, dans l'univers des Willan, il y a 4 séries BD qui sortent, donc il y en a 2 par an sur plusieurs années, donc à la fin, ça fera 28 albums. J'ai choisi toujours, en fait, un espèce de traitement de fil narratif qui est de choisir l'émotion au lieu de l'action. L'action, souvent, est très courte. Les émotions sont plus longues et les personnages se transforment. Mais ça, c'est ma manière à moi d'adapter le travail de Pierre Bottero. Quelqu'un d'autre aurait fait autre chose. Je prends un autre exemple et après, j'en ai fini avec ma réponse. J'ai adapté aussi Yves Grevet, sur Métaux. Métaux, c'est un livre qui est raconté en voix off, première personne, je fais ci, je fais ça, etc. Et le Métaux d'Yves Grevet, et il va découvrir la mer, etc. Mais il est, par exemple, il est enfermé dans une maison, il sort, il va découvrir la mer. Mon Métaux à moi, je rejoins ce que disait Sébastien, il est plus dans les sensations. Il va sentir le sel de la mer, le vent, etc. Alors que le Métaux d'Yves Grevet, il est plus technique. Donc c'est là aussi où je remets de l'émotionnel, moi, parce que moi, je suis comme ça, en fait, je déborde de mes émotions. Et donc, du coup, pour adapter, il faut que je trouve une place dans laquelle je vais aller bien. Mais la seule solution pour moi, c'est de tout connaître, en fait, et de me placer, comme le romancier, de me placer au milieu de l'histoire et de choisir. Finalement, c'est un confort, parce que le romancier, des fois, il écrit, il sait comment ça commence, pas comment ça termine. Moi, je le sais déjà. Donc, j'ai plus d'outils grâce à lui ou grâce à elle. J'ai plus d'outils. Je connais la fin, je connais les thématiques, et je peux même en rajouter la preuve dans ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en auras qu'une. Il y a le roman à une fin. Mais la fin de la BD, c'est nous qui l'avons rajouté. On a demandé à l'autrice de le faire parce qu'on voulait un épilogue qui ne soit pas l'épilogue de la BD, mais qui soit le nôtre, en fait. Et on lui demande l'autorisation, mais ça a le même sens. Et je pense qu'à partir du moment où on s'autorise, en respectant l'œuvre, à venir à ajouter des choses, finalement, le roman, il n'est pas contre. Ce n'est pas la BD contre le roman, c'est avec, dans la même voie. Et ça fait des choses différentes. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, j'ai lu ta deuxième vie et j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Et j'ai lu la BD, j'ai trouvé autre chose. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. Mais on ne peut pas le faire. En tout cas, moi, je n'arrive pas à le faire si je n'ai pas l'ensemble du plan global qui me permet, dès le départ, de dire de quel thème on va parler. Et ensuite, je fais des coupes. Donc, si, par exemple, j'enlève le thème de la famille dans les Willan, bah, j'enlève à chaque fois tout le thème, il va être enlevé de toute l'œuvre. Donc, c'est des choix que tu fais de ligne narrative. Là, j'ai choisi d'enlever les grosses séquences d'action qui ne m'intéressaient pas au profit des séquences d'émotion. OK. C'est une réponse super complète, mais peut-être que Sébastien ou Antoine, vous pouvez peut-être compléter, donner votre avis à cette longue question.
pour répondre à ta question de départ qui était par rapport à la taille d'une œuvre un peu magistrale de très très long format, oui, forcément il faut couper quoi. Ça, alors moi en ce qui me concerne sur l'île au trésor, j'ai pas eu tellement cette action à faire parce que le roman est assez ramassé, il fait seulement 300 pages, donc c'est pas une œuvre titanesque de plusieurs milliers de pages. Je crois que d'ailleurs j'aurais franchement pas eu le courage de me lancer dans une telle œuvre. Je me rappelle déjà moi à l'époque où j'avais lu l'île au trésor, j'avais lu beaucoup de classiques que je n'avais pas lu, et je me rappelle avoir lu Moby Dick à ce moment-là. J'avais trouvé la lecture de Moby Dick extrêmement pénible, extrêmement longue, extrêmement. Enfin, voilà, je me serais jamais engagé dans une adaptation de Moby Dick. Quoi. Le travail d'adaptation, c'est effectivement un travail de couple essentiellement. Pour sortir les séquences et les éléments qu'on va vouloir mettre plus en avant. Et vous parliez tout à l'heure de la différence entre l'adaptation d'un roman ou d'une pièce de théâtre. C'est marrant, c'est que moi, dans mon adaptation de L'île au trésor, j'ai voulu traiter certains personnages, justement les amener comme ils sont amenés dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire vraiment, ils arrivent presque par la gauche de la scène, ils ont leur scène à eux, et puis ils vont quitter la planche, vraiment par la droite, derrière le rideau, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas tellement trouvé justement dans l'écriture de Stevenson. C'est-à-dire que ces personnages avaient arrivé dans certaines scènes, alors pas les principaux, mais plutôt les seconds rôles, arrivaient vraiment un petit peu comme un cheveu sur la soupe, presque, j'ai envie de dire. Ils débarquaient de nulle part et puis repartaient comme ça. Alors moi, j'ai essayé un petit peu plus de les mettre en scène, on va dire. Ça a été vraiment mon travail sur les personnages, en tout cas. Et puis, il ne faut pas aussi négliger une chose, c'est qu'il y a des scènes de roman qui sont impossibles à adapter en bande dessinée. Lilian parlait d'émotion. Moi j'aime jouer sur les rythmes, justement. J'aime pas faire forcément que de l'émotion et encore moins que de l'action, mais j'aime bien alterner les deux, forcément. C'est l'idéal, c'est quand on peut trouver le rythme parfait entre un tiers d'action, deux tiers d'émotion. Je sais pas, hein, je lance un pourcentage comme ça, mais c'est l'idéal. Et le problème, c'est la contrainte du format franco-belge. On le sait très bien que la base d'un format à 46 pages, on peut difficilement y mettre beaucoup d'émotions, quoi. C'est d'ailleurs, je pense, un des grands succès du manga, d'une part, et aujourd'hui du roman graphique, des grosses paginations. C'est parce que l'émotion a toute sa place pour se développer. L'émotion, l'onirisme, la poésie, les grandes scènes muettes. Vous ne pouvez pas faire une scène muette de 15 pages sur un franco-belge de 46 pages, quoi. C'est impossible. Moi, d'ailleurs, ça a été assez... ça m'a freiné dans mon travail d'adaptation. Peut-être que si j'avais anticipé cette contrainte-là dès le départ, je serais parti sur une plus grosse pagination que finalement trois albums de 50 pages. Mais bon, en même temps, le roman se suffisait aussi un peu à lui-même dans ce nombre de pages. Voilà. Tu veux dire ta réponse? Moi, j'ai rien enlevé, j'ai rien rajouté à la pièce de Molière, donc j'ai pas vraiment de réponse d'expérience sur cette question-là. Moi, je vais peut-être rebondir du coup sur ce que disait Sébastien. Il y a des choses qui sont, enfin, tu disais, il y a des choses qui me semblent impossibles à adapter en bande dessinée. Du coup, voilà, question. Peut-on tout adapter? Alors, visiblement, on a la réponse de Sébastien, puisqu'on voit de toute façon de plus en plus d'adaptations. Je parle que en BD, mais on sait que ça existe aussi, voilà, au cinéma, qu'on décline aussi même jusqu'aux jeux vidéo, etc. C'est la question que je vous pose. Peut-on tout adapter, tous les textes? Moi, je réponds très vite. Je pense que oui, en fait. Hein. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu le vieux serpent de mer. Il y a toujours, tous les ans, on voit des œuvres qui sortent au cinéma, notamment, ou en bande dessinée. L'œuvre dite inadaptable. Et puis finalement, c'est. Alors, je sais, après, est-ce que ce sont des réussites? Je ne sais pas à moi d'en juger. Je ne sais pas. Mais a priori, oui, tout est adaptable. En tout cas, en bande dessinée, en ce qui nous concerne, on voit très bien que. Aujourd'hui, les formats ont explosé, pas seulement en termes de pagination, mais en termes de mise en scène, en termes de mise en page. Et aujourd'hui, les éditeurs sont tout à fait ouverts et même ils demandent ça, en fait, d'avoir une beaucoup plus d'originalité. Il y a une plus grande liberté, j'ai l'impression, en tout cas, dans la création aujourd'hui.
Oui, je pense que oui, je pense que comme dit Sébastien, tout est adaptable parce que si on part de que on a envie de faire des adaptations, pas de copier-coller, de points, on trouve un œuvre en littéraire et on a envie de faire notre point de vue personnel. Alors, même si c'est Faulkner, que c'est très difficile à lire, tu peux choisir ton point de vue et faire une adaptation à BD. Mais le problème, c'est de faire un copier-coller. Alors, il y a des textes inadaptables. Alors, oui. Pour rebondir sur la question, en fait, oui, moi, je pense que comme Ravi et Sébastien, je pense que tout est adaptable et surtout en bande dessinée où, en fait, effectivement, on est dans un moment où la liberté de création, le cadre de la page, en fait, c'est un espace de liberté qui est dingue, puisque à l'heure où on a des films à 250 millions, nous, on fait aussi des films à 250 millions, mais on n'a pas le même budget. Voilà, et donc c'est, l'imagination est folle. Moi, je vois par exemple un point extrêmement précis, c'est parfois quand je vais contacter des autrices, des auteurs de romans ou leur maison d'édition, leur disant « Ah, ce serait génial en BD », ils disent « Ouais, mais attends, on a une option cinéma, on a une option télé ». Je fais « Ouais, vous rêvez tous de la télé et du cinéma ». Mais c'était le cas sur Ewilan, par exemple, hein, où les lecteurs disaient « Oui, ah, on va faire un film. Ouais, mais il faut 100 millions, les enfants, là, réveillez-vous. Hein. » Alors qu'en bande dessinée, on fait le 100 millions, on le fait, il est là. Donc, tout est adaptable. Et en même temps, c'est ce que tu disais, Ravi, c'est exactement ça. Il ne faut pas… Bon, en tout cas, à chaque fois, je fais beaucoup d'adaptations, donc je me pose toujours la question, c'est est-ce que je vais arriver finalement à marier les thèmes, l'histoire avec des artistes, des coloristes, des dessinatrices, des dessinateurs, etc., avec tout ça. Et est-ce qu'on va faire un livre pertinent ou est-ce qu'on va faire une copie, quoi ? Si c'est faire une photocopie du truc, je laisse tomber tout de suite, même si c'est un bouquin que j'adore. Il y a des bouquins que j'adore au final. J'adorerais pouvoir les adapter, mais c'est très compliqué. Et deux, je me sentirais pas forcément super à l'aise parce que toi, Sébastien, tu parlais de l'île au trésor et tout. Et c'est génial que tu aies pu t'y coller. Moi, par exemple, j'aurais adoré, il y a des bouquins que j'adorerais adapter, mais j'ai la trouille en fait d'essayer de le faire parce que si je le fais, je me dis je vais passer pour un imposteur complet, je vais faire une copie parce que je veux trop respecter le truc alors qu'il faudrait que je le change. Donc oui, et je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où on est sincère de prime abord dans son approche en fait et de l'œuvre qu'on prend, oui, peut-être qu'effectivement adapter c'est trahir, c'est-à-dire qu'on va chercher l'œuvre de quelqu'un d'autre pour en faire la nôtre. Oui, ça c'est sûr, mais Kurosawa le fait, Hitchcock le faisait, on prend la caste des métamarrons, c'est une adaptation très lointaine du monde de Dune en fait. En fait, on voit que tout s'intermélange, s'interpénètre comme ça, c'est vraiment super fascinant. Et moi, j'adore justement me poser devant des défis impossibles. Des fois, les gens me disent « Ah, tout, t'adapterais ce truc ?» Et après, ça tourne dans ma tête. Je le dis comme ça parce que c'est un truc que, moi c'est un livre que j'adore par exemple, c'est Jonathan Livingstone Le Goéland. C'est un bouquin que je l'ai lu ado, ça m'a éclaté le cerveau parce que c'est un goéland qui essaie de voler plus haut, etc. C'est génial, c'est un livre sur le développement personnel de soi à l'intérieur. Je l'adorerais faire une BD de ce truc, mais il faudrait quelqu'un de dingue pour dessiner un goéland sur 70 pages et pourtant ça serait un livre super beau et super génial de mon point de vue. Donc je pense qu'à partir du moment où on est sincère par rapport à son envie de le faire, toutes les portes sont ouvertes en fait. C'est Alain Damasio qui disait dans la préface de l'adaptation de La Horde du Contrevent, on y parle de l'adaptation de son roman, et il dit, pour parler de Éric Hélinot qui a dessiné et adapté son texte, que la trahison est un prérequis dans l'adaptation. Pour lui, il faut qu'il y ait une trahison. Parce que c'est sa vision de la Horde qu'il a fournie, et il dit que c'est magistral, et pourtant c'est absolument pas les images que lui avait dans la tête. Il saurait même pas décrire les images que lui avait, mais voilà, donc ça participe aussi. Je trouvais que c'était une remarque assez intéressante sur l'exercice. C'est très juste. Et alors, dans le coup de Stevenson, bah là, t'as pas de problème à te poser, mais moi qui ai affaire de temps en temps et qui discute avec les autrices et auteurs des romans, je leur dis au départ que de toute façon c'est une adaptation d'autrice et d'auteur. On va prendre le texte, on va le découper, on va aller dans notre cuisine à nous, on va le refaire. Et s'ils sont pas d'accord, ils ont le droit de pas être d'accord, il y a pas de souci. S'ils sont pas d'accord, il faut qu'ils le disent, parce que certaines et certains
veulent pas qu'on touche à leur truc parce que c'est difficile. Il y a des autrices, des auteurs, quand tu leur envoies le storyboard, ils disent « c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas mon livre ». Et je dis « c'est normal, c'est une transformation, surtout de médias, parce que tout le travail du texte, en tout cas du scénariste de bande dessinée, c'est de donner à créer, c'est d'ouvrir l'imaginaire de l'artiste pour qu'il crée des images. Donc mon but à moi, c'est d'organiser des cases avec des émotions d'information, mais c'est aussi d'ouvrir le cerveau de l'artiste pour qu'il aille chercher des images qu'il n'avait pas et qu'il rajoute les siennes. Donc évidemment, l'autrice de roman ou l'auteur de roman, s'il connaît pas, si c'est pas ça, il peut se sentir trahi. Donc c'est pour ça que c'est toujours très très bien et très prudent de discuter bien avant. Avec les ayants droit sur les autrices ou les auteurs pour leur dire attention, c'est une adaptation, c'est pas choisir des morts. Voilà, exactement. c'est pas de problème. Choisir des morts, c'est tranquille. Antoine et Sébastien n'ont pas eu de problème. Vous n'avez pas pu envoyer de. Il n'y a pas Molière qui porte plainte. Mais alors justement sur le est-ce que quand on adapte comme ça parfois une fois qu'on a livré ça voilà son adaptation parce qu'on imagine que c'est presque une obsession pendant peut-être plusieurs années pour certains d'entre vous surtout si c'est un livre de chevet si c'est quelque chose qu'on porte une fois qu'on l'a faite cette adaptation c'est j'imagine qu'on doit se sentir un peu plus léger est-ce qu'on a envie de se tourner plus vers la création ou au contraire on se dit bon bah finalement je l'ai fait. Ça a marché. Est-ce que y a notre texte est-ce qu'on va pas être tenté de rester dans cet exercice-là qui peut être génial et il y a plein d'auteurs qui font ça extrêmement bien et qui n'ont pas besoin d'écrire de créer leurs propres histoires. Ou est-ce qu'il y a un besoin d'alterner? Antoine, tu disais que tu avais peut-être envie de t'intéresser à d'autres textes. Ouais, moi, ça m'a plutôt donné envie d'en faire d'autres. Une première expérience, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Il y a des contraintes, des problèmes, des trucs moins marrants, mais ça m'a plutôt donné envie de le faire sur des œuvres peut-être un peu plus libres aussi. Là, il y avait ce qui était vraiment très, très carré, très respectueux de l'œuvre. Par un truc comme la Contatrice Chauve, ça m'amuserait de l'adapter en sachant qu'il y a un peu plus de latitude, un peu plus de possibilités de s'ouvrir. Sur quel titre, pardon? La Contatrice Chauve. La Contatrice Chauve. Ah. Oui. Ça m'a plutôt donné envie, ce qui n'était pas du tout une envie initiale. Enfin, c'est un bouquin que j'aime beaucoup, une pièce que j'aime beaucoup depuis l'adolescence aussi, mais j'avais jamais pensé adapter ça. Et puis après avoir adapté Molière, ça pourrait être marrant. Ça pourrait beaucoup m'amuser. Mm-hmm. Et puis des bouquins aussi, oui. Donc c'est vrai que ça ouvre. La première fois qu'on le fait, ça ouvre la possibilité de le faire, quoi. Plutôt que de se dire, il faut que je trouve un scénariste, ou alors il faut que je trouve une histoire à moi. Là, je dis, mais oui, c'est vrai que c'est possible de taper dans tout ce qui a déjà été fait, et c'est colossal, donc, ouais, voilà. Bon, après, c'est juste un avis personnel, c'est comme ça que je suis Et Ravi et Sébastien, est-ce que même la littérature contemporaine, comme le fait Lilian, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Oui, j'ai lu plein de littérature contemporaine, mais pour moi, adapter, ça a été, comme j'ai dit avant, un exercice pour gagner la confiance, pour écrire, ça a été un parti du chemin pour trouver mon méthode pour écrire mes histoires. Alors, j'ai travaillé première ces romans que j'ai lus en Espagne, qui a été une adaptation que j'ai essayé de la faire sans texte, c'est une adaptation muette, alors c'est ma manière de développer la narration avec des images, c'est la narration pure avec l'image, mais après Ibsen, la pièce de théâtre, ça a été l'écriture de dialogue que j'ai travaillé, alors sont deux livres qui m'ont donné la possibilité de pratiquer, de faire cet exercice. Et même s'il y a, comme j'ai lu de la littérature, il y a plein de livres que je sens que sera ça, que j'aurais envie de les adapter. Je pense que maintenant, je dois travailler de côté écriture et chercher des histoires à moi, qui me touchent à moi individuellement, qui sortent de moi. Alors, pour moi, c'est un chemin que je pense que c'est déjà fini, mais on verra dans l'avenir. On verra. Dans les photos. Okay.
Sébastien, après Nil au trésor. Oui, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas eu un seul livre que j'ai lu depuis où je ne me suis pas dit, tiens, ça ferait une bonne adaptation. Enfin, c'est une sorte d'instinct, je ne sais pas si c'est pas une de défaut professionnel, j'en sais rien. Oui. Très franchement, tous les livres, même. Moi, je change tout le temps de genre. En fait, je passe d'une biographie à un policier. Je lis 3-4 livres en même temps. Et à chaque fois, j'ai envie d'adapter. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de laisser reposer les choses pour voir comment cette envie est dure dans le temps. Est-ce que c'est juste un petit coup de cœur qui va durer une soirée ou quelques jours, ou est-ce que ça va vraiment s'incruster et ça va trouver un milieu dans lequel il va trouver vraiment à se développer. C'est-à-dire que moi L'île au trésor, je l'ai lu en 98 et pendant une douzaine d'années, moi je l'ai comme ça, je l'ai mûri, je l'ai enrichi avec plein d'idées et je m'y suis seulement remis en 2011. Donc en fait, ouais, 13 ans de maturation. Alors, je suis un peu lent, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins ça m'a montré que c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. Moi personnellement, c'est m'attaquer à un album de bande dessinée, c'est très éprouvant, c'est beaucoup d'investissement et je peux pas le faire. Je peux pas faire un travail de commande. Donc, ça m'est arrivé que des éditeurs me proposent de faire tel ou tel boulot, ça ne m'intéresse pas, ou alors il faut vraiment que ça soit un scénario qui m'intéresse, mais du travail de commande, ça ne m'intéresse pas parce qu'il faut vraiment que je sois totalement investi, totalement enflammé par le projet, quoi. C'est vraiment ça, il faut qu'il y ait vraiment un gros coup de cœur pour que j'y engage toute l'énergie que le projet va nécessiter, quoi. Donc oui, avoir attendu 13 ans pour L'île au trésor, c'est vraiment que c'était un projet qui fallait que ça se fasse. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que, quand tu as fini un bouquin, tu dessines? Tu as des images tout de suite ou non, pas forcément? Oui, quand j'ai fini de lire un livre. C'est vrai, ça m'est arrivé, même entre deux, où par exemple, il y a une scène d'un livre qui m'en inspirer une autre, alors je la note dans un coin et puis je me dis ça servira peut-être à un projet plus tard. Enfin voilà, Lilian le disait un peu au départ, de toute façon c'est pas forcément du pillage en tant que tel, c'est des multiples influences en fait. Moi j'ai souvent une scène qui va m'en évoquer une autre. J'aime bien l'idée de rebondir en fait sur une idée. Voilà. Ouais. Lilian, vu que tu as adapté des ouvrages de littérature contemporaine, moi je me demandais un petit peu comment ça se passe, les relations avec les auteurs, du coup. Est-ce qu'ils sont ravis? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils interfèrent beaucoup? Est-ce qu'on est libre? Alors j'imagine que, je ne sais pas si tu peux tout dire, mais on est curieux parce que Stevenson et Molière et Ibsen, ils ne peuvent pas mettre leur grain de sel, mais Pierre Bottero. Pour répondre à ta question, je dirais qu'en fait, en réalité, il y a tous les êtres humains dans l'éventail de l'humanité, il y a tous les êtres humains dans les autrices et dans les auteurs. Donc, je vais faire très rapidement. Hein, ça va. Donc, Pierre Bottero, non, parce qu'il était décédé au moment où j'ai commencé à travailler et les rapports que j'ai eus sont avec l'éditeur et la famille. C'est mon éditeur en fait, c'est notre éditeur à l'époque qui a eu les relations avec l'éditrice, donc chez Rajo, qui elle était avec les ayants droit de Pierre Bottero, qui ont validé les premiers croquis, les couleurs, les premières planches, et puis ensuite, une fois que le travail s'est installé dans la confiance, nous, en tant qu'équipe artistique, on n'a pas de relation avec elle, ça tout se passe par le biais par éditrice-éditeur. C'était un petit peu différent, par exemple, sur Métaux, avec Yves Grevert, on s'est rencontrés avec Yves, avec les leaders, on a montré le travail d'Alexandre Nesmo sur le dessin, pour lui montrer notre approche, en fait, en lui disant, voilà, il va y avoir une approche un peu steampunk, on va changer un peu les choses, on va être moins dans la classe des années 40-50 que tu voulais, le côté un peu vintage pour être dans le côté un peu plus steampunk. Est-ce que ça te dit? Alors, il a dit oui, mais il fallait changer les coiffures. Et par exemple, je prends un livre que j'ai adapté, qui est un livre de Megrosoff à We Live Now, hein, qui est une adaptation sortie chez Glénat. Megrosoff, c'est une autrice que ma co-autrice Christine Circosta adorait. Je lui, on cherchait un projet et je lui disais,
c'est quoi ton rêve ? Il me dit, je veux adapter ce bouquin. Bon, d'accord. Elle me dit, je connais déjà l'autrice. Et en fait, on a commencé à faire des planches. Et l'autrice nous a invités chez elle en Angleterre pour faire visiter la maison qui a inspiré, qui est dans le roman. Et moi, on était dans la maison, donc qui est une maison qui appartenait à un prof d'Oxford, donc à côté de l'université d'Oxford, une maison en pierre, un truc hallucinant. Et pendant que je me promenais, je voyais les personnages qui apparaissaient devant moi, quoi, parce que je connaissais le roman par cœur, bien sûr. Et là, il a fallu qu'on explique à l'autrice comment on allait adapter son truc. Donc, lui expliquer que le personnage, là, il est au milieu de la case pour une raison, etc. Et une fois qu'elle a compris notre démarche, elle nous a dit « Ok, on a fait ce qu'on a voulu ». Avec Raphaël Giordano, par exemple, sur « Ta deuxième vie », elle était d'accord pour le faire, mais comme finalement toutes les autrices et auteurs à qui finalement un éditeur achète des droits, après il y a une équipe artistique qui est trouvée, et après est-ce que l'équipe artistique va faire du bon travail? Et moi j'avais dit à Raphaël, écoute, on va faire un morceau et on va te le présenter, mais on va pas te présenter deux pages, on va te présenter des séquences où les personnages vivent quelque chose, et ta deuxième vie il est écrit à la première personne dans le roman, et moi je voulais pas faire ça, donc c'était une adaptation en live comme si on faisait du cinéma, hein, c'est exactement pareil. Elle l'a lu, elle m'a dit « j'aurais jamais fait ça, mais j'adore ». Et du coup, si elle m'avait dit « j'aurais jamais fait ça, mais il faut tout changer », eh ben, on aurait essayé de faire comprendre notre démarche. Donc, la plupart, en fait, sont très bienveillants. Et ils ont juste la peur, en fait, qu'on détruise la réputation de leur bouquin, en fait. Et qu'on se dise « mon Dieu, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais ». Puis des fois, le dessin, ça leur plaît moins, etc. Il y a des gens qui avec qui on discute pendant très longtemps. Là, je peux le spoiler, c'est pas grave. Par exemple, je suis en train d'adapter « Mille femmes blanches » de Jim Fergus. Wow. Voilà. « Mille femmes blanches » de Jim Fergus, ce sera chez Dargaud. C'est l'adaptation la plus complexe qu'on a eu à faire à ce jour. Parce que Jim Fergus, c'est quelqu'un qui a vraiment un univers personnel très fort. Et il a fallu qu'on lui présente quasiment tout le bouquin storyboardé pour qu'il voit notre vision. Parce que si on devait discuter de chaque page, il aurait discuté de chaque page. Là, ce n'est pas comme ça à l'époque. Là, il fallait pas faire. Donc, il faut qu'on arrive à entrer en dialogue. Ou alors, l'auteur cède ses droits. C'est fini. Il sait qu'il y a un bouquin qui va se faire. Il le voit. Il est content. Il n'est pas content. Il y a de tout, en fait. Moi, j'aime bien quand les gens viennent et qu'on discute, qu'on se met d'accord. Mais la condition sine qua non, c'est que je ne ferai pas une photocopie. Et si l'auteur, par exemple, il dit, ou l'autrice, il dit, moi, j'ai envie d'aller là. À ce moment-là, il est co-auteur et co-autrice. C'est ça que je veux dire. À partir du moment où j'aurais travaillé, je sais pas, sur Strom, et que Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas disaient « Non, mais nous, on veut garder l'univers, etc. » Et je leur aurais dit à ce moment-là « Venez, soyez co-auteur et co-autrice du livre. » Parce que, en fait, ce sont des rôles, ce sont des postes. Et s'ils nous laissent ce poste-là, c'est qu'ils nous font confiance. Donc, à chaque fois, il faut travailler la confiance en sachant très bien que souvent, ce qui va sortir est quelque chose un peu étrange pour eux. Qui n'est pas tout à fait leur livre et qui est quand même aussi autre chose. C'est une réponse super complète. Est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter ? Apparemment, il y a une question dans les commentaires. Je peux relayer. Alors. On lit peut-être la question. Ouais. J'aurais une question. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut être freiné par les problèmes de droits d'auteur quand on veut adapter des œuvres en bande dessinée ? Ça me semble. Oui. En tout cas, de mon point de vue, la réponse est oui, puisque en réalité, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux contacter n'importe quel auteur, n'importe quelle autrice. Je prends l'exemple. J'ai été 10 ans en contact avec Liane Hearn pour faire Le Clan des Autories, et ça ne s'est pas fait avec moi. Ah. Pour une question de droit. Donc, tu peux être très bien en contact avec un auteur et une autrice qui te dit « Ouais, c'est génial, j'adore ta vision, j'adore les dessins, j'adore les tests, j'adore la totalité. » Et tu as son agent ou tu as l'éditeur qui va faire un blocage au niveau des droits. Parce que ce que nous, on ne sait pas en tant qu'autrice, auteur, quand on commence, c'est qu'on crée du droit, on crée un droit de la propriété et que quand on veut adapter un livre, eh ben, il faut qu'on s'assure que ces droits soient disponibles. Et si ce droit n'est pas disponible parce qu'il est acheté à l'étranger, parce qu'il est préempté par un autre truc, il est bloqué. Donc, la question du droit d'auteur, elle est au centre de l'adaptation quand on ne prend pas des gens qui sont décédés depuis moins de 5 ans. C'est ça, je voudrais ajouter ça, pardon Lilian, mais c'est ce qu'on n'a pas dit depuis le départ, c'est qu'il y a deux types de droits. Il y a les droits d'auteur qui sont tombés dans le domaine public et qui sont donc totalement libres d'adaptation. Et ce qui a été mon cas, et ce qui est le cas aussi d'Antoine pour Molière. Et puis, effectivement, quand les auteurs sont,
sont soit vivants, soit morts, mais dans les 70 ans qui suivent sa mort, effectivement, les droits appartiennent aux ayants droit, et aux éditeurs. Donc là, effectivement, c'est là qu'il y a un problème, enfin, pas un problème ou pas, mais en tout cas, il y a un devoir, en tout cas, d'achat de droits. Oui, et puis même de discussion. De discussion au minima, oui, bien sûr. J'ai écrit il y a quelques années à une autrice de romans, parce que il y a un de ses romans que j'ai adoré. Je lui ai écrit, c'est même pas la maison d'édition qui m'a répondu, c'est elle qui m'a répondu après. Elle m'a dit oui, j'ai eu un mail de la maison d'édition, c'est Anna Gavalda. Elle m'a fait une réponse. C'est le plus beau non merci qu'on m'ait jamais fait, qui est absolument hallucinant. Elle me dit en premier non, en deuxième pour ça, et ses raisons sont très justes et je comprends pourquoi elle a pas envie. J'ai trouvé sa réponse sublime. Et en fait, ça questionne à chaque fois la préciosité, l'espèce de trésor que les autrices ils ont fait, surtout dans les livres comme ça, où des autrices et des auteurs disent « Non, mais je ne veux pas qu'on touche mon œuvre. » Et ça peut tout à fait se comprendre. Mais en tout cas, au niveau légal, il est certain que... moi, des fois, je discute des projets avec des éditeurs. Je dis « Oui, ce serait génial si on faisait ça. » Je dis « Non, mais attends, si tu n'as pas les droits, c'est terminé. » C'est le point numéro un pour commencer une adaptation d'un auteur ou d'une autrice dont les romans sont encore en fait sous les droits d'auteur, c'est le point numéro un. Ben, on terminera sur ça, parce que ça fait une heure que l'on discute et c'était vraiment super intéressant. Ouais, on avait tellement de questions, on n'a pas pu toutes les poser parce que vos réponses, elles étaient toutes très, très longues, mais très complètes, c'était super instructif. Moi qui suis un bébé libraire, hein, c'est la première année que je suis en librairie, je trouvais ça super intéressant. Et c'est presque triste de se quitter là, mais sinon on n'a pas le choix. On va avoir deux heures la prochaine fois. Allons-y. Voilà. En tout cas, on encourage tout le monde à découvrir vos albums, Molière et les médecins, Un ennemi du peuple, La tresse, par exemple, pour les lions, et La quête des Willan, Jim Hawkins. Voilà, allez chez votre libraire pour lire ces superbes adaptations. Et lisez des BD, surtout, n'oubliez pas. Allez chez les libraires, très important. Et allez chez les libraires, s'il vous plaît, indépendants, s'il vous plaît. Ouais. un grand merci à vous quatre. Merci à vous. Très belle soirée. Merci. Et puis au plaisir merci de vous recroiser en librairie, en festival, ailleurs. Longue vie à vous et à vos projets. Merci okay, beaucoup. On reste merci. Ensemble. Merci. Merci. Bonne soirée. Alors, bonne soirée. Au revoir. Salut. Au revoir. Bah voilà, c'était super intéressant. Ouais, vraiment super intéressant. C'est presque, ouais, effectivement, dommage qu'on n'a pas pu te poser toutes mes questions. Alors, Raph, est-ce qu'on a un petit jingle pour espacer ces deux heures? Je ne sais pas. Oui. Ouais. On nous dit oui. Donc, je crois qu'on va laisser passer le jingle avant la deuxième session de dédicace. Voilà, on se retrouve juste après. Je vais très bien. Formidable. Alors, on va démarrer du coup la deuxième séance pour aujourd'hui, qui est tout simplement une séance de dédicace. Donc, on va accueillir nos auteurs petit à petit. On accueille à l'écran Anne-Périne Couet. Bonjour. 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 Comment vas-tu? Ça va, très bien. Bah, super. Alors ensuite, on a Benjamin Blasco-Martinez qui va nous rejoindre. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va, super. Alors, on a Vincenzo Cuca qui va apparaître sur l'écran si peu. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Vincenzo.
Ciao. Ciao. Enchanté. Enchanté. Alors, Olivier Perret, excusez-moi, j'ai eu un OK. On va venir nous rejoindre aussi. Bonjour, Olivier. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend bien. Super, bien. Super. Voilà. Et pour finir, on a Arnaud de Vivier qui va venir nous rejoindre dans cet écran. Bonjour, Arnaud. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Alors, okay. Oui, on est au complet. C'est super. On est 5. Ça fait beaucoup de monde. C'est génial. On va pouvoir discuter tous ensemble. Alors, avant de commencer du coup à parler un peu du monde du livre, de vos travaux, votre travail de d'auteur, de dessinateur, moi j'ai préparé des petites biographies et bibliographies pour vous présenter. J'ai pas tout mis parce que le but principal c'est qu'on échange quand même, donc j'ai essayé d'aller vite, mais voilà. Du coup, je vais commencer du coup avec la biographie de Anne. Anne, tu es illustratrice et graphiste indépendante, en plus d'être autrice. Oui. Anne Perrine, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai pas trop l'air. Oui, désolée. Donc, tu as monté des expositions, des sites internet et des événements comme les 24 heures de la BD. Alors, il faut juste que je retrouve la ville, j'ai pas tout en tête. Les 24 heures de la BD de Bordeaux, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Ouais, ok, super. N'hésitez pas à me dire si je dis n'importe quoi, me rectifier. Et tu enseignes aujourd'hui le dessin et la sérigraphie à l'Université de Bordeaux depuis 2011. Mmh. Bien. Alors, tu as fait du coup avec 15 autrices du coup un album, un ouvrage qui s'appelle Féministe aux éditions Vide Cocagne, que je ne connaissais pas. D'ailleurs, en 2018, vous racontez tout simplement ce que ça fait d'être une féministe, d'être une femme aussi. Ensuite, vous avez fait... je suis très adepte du « vous » et du « tu ». Est-ce que je peux te tutoyer? Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Si ça ne te dérange pas. Aucun problème. Donc, tu as fait « Méfie-toi d'une femme qui lit » aux éditions d'Aviken en 2021, qui est aussi un collectif. Voilà. Et tu as fait Bafori, je ne sais jamais comment ça se prononce, désolée, aux éditions Stenkis en 2022. Donc Bafori, ça reprend du coup le mythe de la comtesse sanglante, de la comtesse maudite. Et tu vas expliquer du coup dans cet ouvrage pourquoi ce mythe existe et surtout nous dire ce qui serait la vérité en fait sur cette légende de la comtesse sanglante. Donc, on peut dire en tout cas que tu mets bien en avant les femmes dans tes ouvrages. Voilà. Ok, merci, c'est bien compris. Voilà. Alors, Benjamin, on va passer à toi. Est-ce que je peux te tutoyer ou... Oui, aussi. Ok, pas de problème. Tu as fait aussi beaucoup de choses. Tu as été à l'école Émile Coll de Lyon, c'est ça? Oui. Tu as commencé avec... tu es un grand fan de western, si j'ai bien compris. Oui, c'est un genre que j'aime bien. Ouais. Donc, tu as commencé avec Catamount, c'est ta première BD aux éditions Fissalis. C'est une BD que tu vas d'ailleurs présenter à ton jury à l'école. Mmh. Ouais, et qui va te lancer du coup dans le fameux monde de la bande dessinée. Ouais. Un long parcours et beau, un beau parcours surtout. Tu as fait la couleur sur la série Montpellier chez Petit à Petit. Oui. J'ai David qui nous passe les images de tes ouvrages. Voilà. Tu as participé au dessin de Go West Human. Oui. Mon anglais, il n'est pas fameux. Ok, super. Aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle. Voilà. Et tu as pareil pour la BD Indians, qui est chez le même éditeur, même collection. Et ton dernier livre, c'est Wiloucha. Pareil, je ne sais pas si je le prononce bien. Parfait, ouais. Non, c'est bon, c'est ça. BD qui est sorti en janvier 2023 chez Petit à Petit. Tu as fait le dessin. Wiloucha, en fait, ouais, comme le sous-titre l'indique, tu as parlé des dernières heures de Troie, de la bataille entre les Troyens et les Grecs. Et en même temps, on va suivre un peuple que je ne connaissais pas, les Hittites, voilà, qui sont censés être des alliés des Troyens. Et cette BD, en fait, je ne suis pas fan de l'historique d'habitude.
Et pourtant, je me suis pris une claque. C'est un coup de cœur. Bravo, les dessins sont super. L'histoire est vraiment géniale. J'étais prise dedans du début à la fin. Franchement, bien joué. Je transmettrai au scénariste, à Michael. Qui sera d'accord, merci. Alors, Vincenzo ? Oui, c'est moi. Ouais. Ok, est-ce que je peux te tutoyer ou vraiment ? Est-ce que je peux te tutoyer ? Est-ce que je peux te tutoyer, pardon ? Est-ce qu'on peut te dire tu, Vincenzo ? Qu'est-ce que tu... j'ai fait ? Un petit, non. Ah. Est-ce qu'on peut te dire tu, you ? Ah oui, moi ? Oui, oui. Okay. Alors, que pas, je suis l'unique italienne ici. Pardon pour mon français. Pas de problème. Et quelle est la question, pardon? Est-ce qu'on peut utiliser le tutoiement, te dire tu, et pas le vous? Être plus familier entre nous. Je pense que non, je n'ai pas compris. Pardon. Ok. Donc, on va passer à ta présentation. Oui, alors, la présentation, c'est mieux. Ok, alors Vincenzo, tu es diplômé d'art et tu as travaillé dans des agences de pub, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu as fait aussi beaucoup de choses. Tu as commencé du coup en 2007 aux éditions Carabas avec la BD Roots des Maisons Rouges. Oui. Qui s'affiche ici, voilà. Tu as fait ensuite en 2008 aux éditions Aquileos Mat, qui est une BD que je lisais quand j'étais petite et j'étais très surprise. En fait, quand j'étais petite, je ne savais pas que c'était toi. Et, oui, c'est une histoire mais plus cartoon comme style. Ouais, bah c'était super. Moi, j'ai bien aimé. J'ai adoré. Ensuite, Marvel va t'embaucher pour faire les crayonnés de quelques livres de She-Hulk. Oui, les crayonnés, oui. Les crayonnés, ouais, c'est ça. Tu as fait le Maître des Ogres en 2010 aux éditions Lombard. Voilà, ok. Avec le scénario par Michel Rodriguez. Ok, ouais, c'est ça. Oui, j'ai pas tout précisé, pardon. Ensuite, tu as fait Pandamonia en 2012 chez Drugstore. Ouais, Drugstore, pardon, excuse-moi, j'ai mal prononcé. Oui, c'est Glenna. Oui. Voilà. Ok. Et on est là aujourd'hui pour Colonisation. Le premier tome est paru en 2018 aux éditions Glenna. Colonisation, oui. C'est un ouvrage de science-fiction que, pareil, j'ai beaucoup aimé. On va suivre une équipe dans un vaisseau qui part à la recherche d'autres vaisseaux qui seraient échoués dans l'espace, tout simplement. Et ils vont découvrir dans un de ces vaisseaux abandonnés, ils vont découvrir un homme, voilà, qui est dans une capsule et qui est encore vivant. Voilà, ça c'est le synopsis du premier tome. Et est vraiment génial. Moi, j'adore beaucoup. Voilà. Et c'est bon. C'est bon. C'est rappelé mon scénariste à côté. Alors, Olivier. Oui. Tu es là. On peut te tutoyer. Tout à fait. Formidable. Olivier, tu as fait l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. C'est ça. Voilà. Tu as fait aussi la revue Cheval de 4. Ouais. Ouais, ok. Qu'on avait à la fin de mes études, on a monté ça à la fin de mes études. Ouais, à la fin de tes études, tu l'as monté seul ou tu l'as monté avec toi? Non, c'est un collectif. Ok. C'est un fanzine, quoi. Mais... Et d'ailleurs, jusqu'en 2016, tu vas publier sous ton pseudo Perrault, c'est ça? Ouais. Et tu as fait Il fera beau demain, tu as fait la couleur. J'ai fait les couleurs, ouais. Ouais, en 2008 aux éditions Carabas. Ouais. Tu as fait Confidence sous l'oreiller en 2010. C'était plutôt de l'auto-édition aussi, ça. Cheval de 4, effectivement. C'était noté ça sans l'éditeur. Tu as fait Un jour sans en 2010 chez Ankama. Ouais. Ça, c'est mon premier, voilà, vraiment. Sous l'écran, je vais essayer d'aller plus doucement pour laisser apparaître les ouvrages. Tu as fait Journée rouge et Boulette bleue à la boîte à bulles en 2016. C'est ça. Ensuite, Quelques jours à vivre chez Delcourt dans la collection Ancrage en 2017. Ouais. Qui a l'air vraiment très touchant. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est sur ma pile à lire depuis un petit moment. Voilà.
Tu as fait ensuite, ils ont tué Léo Franck, aux éditions Sankis, en 2010. Non, et là, on va parler de ton bouquin, du coup, que tu vas dédicacer. C'est La septième fonction du langage, qui est géniale, qui est publiée en 2022 aux éditions Sankis. C'est une enquête policière, du coup, entre un commissaire et un sémiologue. Ça m'a fait plaisir parce que ça m'a rappelé mes cours de sémiologie, voilà, ou mes cours de communication, qui vont du coup enquêter sur, sur un accident. Un homme s'est fait renverser, donc Roland Barthes s'est fait renverser. Roland Barthes, c'est un des sémiologues français qui a... Enfin, voilà, qui ont... Ah, je crois qu'on a perdu quelqu'un. Ah oui. Oui, effectivement, on a perdu. Ah, le revoilà. Il revient. Donc, alors, on enquête sur la mort et les raisons de la mort de Roland Barthes. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a ce fameux papier, la septième fonction du langage, qui est au cœur de l'histoire. Mais j'en dis pas plus. Voilà. Et tu as fait aussi Silence Radio, 36 mois pour me relever d'un AVC. Ouais. Chez Delcourt, aux éditions Ancrage en 2022 aussi, voilà, qui apparaît sur l'écran. Ouais. Voilà, voilà. Donc, on va ensuite passer à Arnaud. Arnaud, tu es là? Je suis là. Tu peux me dire aussi? Ok. Alors, tu as fait 5 ans à l'école Émile Coll aussi, de Lyon. Tu as créé d'ailleurs le Coll Art où tu réunissais, en fait, tu diffusais les travaux des étudiants de ton école. Ça, c'est super sympa. Voilà, je trouve ça trop bien. On était plusieurs, je n'étais pas tout seul à le faire. D'accord. Okay. Tu travailles aujourd'hui dans un atelier, l'atelier Millefeuille de Lyon, avec des dessinateurs de ta promo. Et dans ta biographie, c'était marqué qu'ils étaient super sympas. Voilà. Oui. C'est BDTech. De l'ancienne bio qui a été repris par un site de BD, je crois. Mais oui, c'est ça. Mais c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. C'est mieux que ça soit toujours vrai. Et tu as fait du coup Constantin de Chambéry, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était vraiment super drôle à lire. Donc le scénario est de Caribou. C'est publié aux éditions Delcourt en 2023. C'est sorti en janvier, je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé cette BD vraiment très drôle. On va suivre un barbare, hein, qui a la carrure, le design d'un barbare, mais qui parle la langue de Molière. Voilà. Et il va être accompagné d'une jeune fille qui s'appelle Alia, et qui, elle veut la baston. Tout le temps la baston. Sauf que lui, il est calme, il est mûr, il aime la réflexion, et il va s'inscrire, il veut devenir président de son pays qui est dirigé par un dictateur. Et vraiment, c'est hilarant. J'étais prise dedans à fond aussi. Bah, merci beaucoup. Donc, voilà, je t'en prie. Mais les biographies sont finies. Du coup, on va enchaîner, messieurs. Ouais, et madame. On va voir, je pense, apparaître tout doucement à l'écran les dédicaces que vous avez gentiment accepté de filmer. Donc voilà, on va peut-être entamer la discussion et peut-être commenter un petit peu les dessins. Moi, j'avais envie de commencer avec peut-être une question pour Anne-Périne, pour un petit peu parler de vos livres, puisque c'est aussi pour ça que vous êtes là. Anne-Périne, du coup, comment est-ce que ça t'est venu l'idée de t'intéresser à cette comtesse Báthory, cette soi-disant donc, comtesse sanglante dont finalement on a l'impression que la légende a dépassé la réalité. Comment est-ce que ça t'est venu de raconter cette histoire? En fait, moi j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien les littératures comme ça de genre, d'imaginaire. Et quand on aime bien l'horreur, dans les personnages un peu typiques, il y a le personnage du vampire et dans la mythologie autour du vampire, elle est identifiée comme étant la comtesse vampire. Donc, en fait, de fil en aiguille, en faisant un peu le tour, c'est un personnage qu'on connaît sans connaître. Et je m'étais dit, tiens, c'est intéressant, c'est une comtesse qui a vraiment existé et elle est identifiée comme étant, soi-disant, l'une des plus grandes tueuses en série de l'histoire. Elle aurait tué plus de 650 personnes. Après, les légendes en font un personnage qui se baigne dans le sang des vierges ou
des cervants qu'elle tue, etc. Et en fait, en cherchant un tout petit peu sur Internet quelques articles, j'étais tombée sur des noms de chercheurs, notamment hongrois, qui avaient travaillé sur le personnage, enfin, sur la vraie personne et pas la légende, et qui avaient essayé de déconstruire un peu ça, ce mythe-là, et de voir un petit peu tout l'aspect... tout ce qu'on avait voulu intégrer ensuite, des siècles plus tard, à travers ce personnage-là. Quoi. Les différentes réécritures qui ont été faites, selon les époques, les ajouts, selon les époques, des points de vue plus ou moins sexualisants aussi sur le personnage, puisque l'image qu'on en a encore maintenant dans la culture populaire, par exemple dans les jeux vidéo ou au cinéma, ça va être une femme ultra sexualisée qui prend des bains de sang. Et voilà. Et donc, en fait, je m'étais dit, tiens, ça serait intéressant de travailler sur l'histoire derrière la légende. Quoi. D'accord. Ben, c'est pari réussi. C'est vrai que jusqu'à récemment, du coup, moi, je connaissais la légende et je connaissais tellement la légende que pendant de nombreuses années, j'ai cru que c'était un personnage légendaire qui n'avait pas existé. Ouais, voilà. Tellement, en fait, c'était une légende et c'était, je ne sais pas si le mot est approprié, surréaliste, la légende, en fait, de Madame Bathory. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'avec avec les éléments dont on... Comment dire? En fait, il se trouve que c'est une époque qui est quand même assez lointaine, puisque c'est le 16e siècle, donc c'est loin de nous, c'est dans des coins qui sont loin de chez nous aussi. Et en fait, la plupart des archives et des traces qui ont pu exister, elles ont été détruites, parce que quand Bathory a été jugé coupable au cours du procès auquel elle n'a pas pu assister. Ça, c'est vrai, hein, c'est l'histoire réelle. On a détruit en fait la plupart des archives qui étaient dans ses propriétés, dans ses châteaux, sur ses terres, etc. Donc en fait, il ne subsiste d'elle que quelques correspondances qu'elle a pu avoir avec d'autres personnes, d'autres nobles, son mari. Et en fait, on peut reconstituer une histoire à partir de ça, à partir de certains membres de sa famille aussi. Mais comme il y a des gros blancs et des gros manques dans l'histoire, c'est facile pour les gens ensuite de projeter des choses dessus. Donc on vient réécrire et selon les époques, ça change. Et ça dit aussi des choses des sociétés, de l'évolution des imaginaires. Je trouvais que c'était un personnage... C'est un personnage qui était intéressant à travailler parce que moi, ça part de mon amour du genre. Et en fait, finalement, j'ai dérivé. Et j'en suis venue à me dire l'histoire, en soi, elle était passionnante. C'était presque plus un travail d'enquête, finalement, d'enquête historique. Et j'ai essayé de concevoir le livre un peu comme un film de procès, quoi, en réutilisant les écrits des comptes rendus du procès qui ont été faits, ou ces serviteurs qui ont été amenés pour être interrogés. Et l'idée, c'était de se baser là-dessus pour après intercaler des flashbacks et dire en fait comment s'est construite l'histoire de la vie de la comtesse et en même temps comment s'est construite la légende. On parlera peut-être un peu de technique après, mais peut-être pour continuer de présenter les autres albums. Une question peut-être pour Olivier Perret. Oui. On a parlé un tout petit peu de Roland Barthes dans l'émission d'avant, parce qu'en fait l'émission d'avant était consacrée aux adaptations littéraires. Du coup, un petit peu même question d'entrée que pour Anne Perrine. Comment est-ce que tu as été amenée à adapter le roman de Laurent Binet, la 7e fiction du langage? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu connaissais déjà le bouquin? Moi, je ne connaissais pas le bouquin, on me l'a proposé en fait. On l'a proposé, je pense que c'est l'éditrice qui l'a proposé à Xavier, le scénariste. Mm-hmm. Je ne sais plus si j'entendais la fin de la précédente échange où il parlait des droits. Je ne sais pas s'ils avaient déjà les droits à ce moment-là, mais... Moi, quand on me l'a proposé, c'était fait.
Et du coup, c'est Xavier que moi je connais bien, bah, c'est avec lui que j'ai fait tous mes autres bouquins, donc il m'en a parlé parce que il sentait que ça pourrait m'intéresser, et le pitch me parlait bien, et quand j'ai commencé le bouquin, et au bout de, je sais pas, 50 pages, je l'ai rappelé, c'était pas la peine d'attendre que je l'ai terminé, je savais que, voilà, c'est le ton, l'ambiance, enfin voilà, tout me plaisait, puis le côté un peu polar, mais décalé, enfin voilà, moi ça m'attirait. Donc okay. En fait, on me l'a plus proposé que, donc je connaissais pas ni l'auteur ni le roman, mais voilà, d'accord. Ça m'a emballé à la lecture, donc et j'avais vraiment des images de, enfin voilà, ça créait des images de ce que je pouvais en faire, ça m'attirait bien. C'est venu assez vite les images, ce côté, puis un côté assez caricatural en fait, enfin voilà, un peu proche en tout cas. C'est pas de la caricature, mais on pourrait. Enfin, je trouve que ça se rapproche quand même un peu d'un trait caricatural, puisque les personnages sont très cocasses aussi. Mais... Ouais, c'est ça, non, mais c'est complètement ça. Enfin, c'est que moi, les projets que j'avais avant c'était des projets plus docu, peut-être un peu plus. Moins légers, en tout cas, on va dire. Et donc là, ça me permettait de m'amuser un peu plus avec les personnages. En même temps, il y a plein de personnages connus, donc il faut qu'on les reconnaisse. En même temps, je voulais pas qu'ils soient. Ce son, il risquait pas d'être trop bien fait, mais je voulais pas que ce soit trop photographique. Ou voilà. L'idée, c'était un peu partir plus vers de la caricature. Ça marchait avec le ton du roman et de ce qu'on en faisait. Donc ouais, c'était un peu plus de truculence ou d'exagération, ou des choses comme ça. Donc, c'était assez... Mais le livre est très drôle et très décalé, donc ça permettait vraiment d'aller dans cette direction-là. Il paraît qu'il est très... En tout cas, la BD est vraiment... Et elle donne envie aussi de lire le roman, c'est en ça, enfin, donc on n'en a pas parlé, mais les adaptations BD, c'est aussi quand on a fini qu'on a envie d'aller lire l'œuvre, c'est qu'il y a un truc quand même qui a a priori marché. Mieux, alors. C'est bien de le dire. Alors, moi j'ai une question vas-y. Moi j'ai une question pour Benjamin, puisque toi, tu as l'air de beaucoup aimer l'historique, du coup. Et moi, j'avais des questions à propos de ça. Est-ce que c'est les décors qui t'intéressent? En fait, qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi raconter en fait une BD, un passage de l'histoire? Comment tu travailles, en fait? Bah, moi, je travaille beaucoup au coup de cœur, hein, le plus possible. Je veux dire, bon, ça m'arrivait de faire des projets par défaut, mais là, Wilusha... Alors qu'il ne s'appelait pas Wilusha à la base, Michael était parti. En fait, il avait pris le nom d'un personnage qui est dans la BD qui s'appelle Aristarc. Il avait su du coup donc les aventures de ce personnage. Ça se présentait comme un western l'origine. Donc, du coup, ça m'a parlé. Donc, c'était un peu le bon, la brute et le truand avec trois personnages, voilà, qui une espèce de chassé croisé donc en pleine bataille de guerre de Troie. Et on a, à force de discuter, on a progressivement remanié le scénario. Michael est parti sur autre chose, il y a des idées qui se sont greffées. Et voilà, on allait vraiment déboucher sur le bouquin, le résultat final. Mais moi, en fait, ce qui m'avait attiré à la base dans son histoire, au début, je me suis dit, ouais, bon, encore un livre sur la guerre de Troie. Bon, même si j'aime bien le sujet, Achille, les grands héros, la mythologie, c'est quelque chose qui me parle depuis que je suis tout gamin, quoi. J'ai grandi un peu avec ça et en fait, c'est vraiment l'aspect, on va dire, très réaliste qui m'a attiré dans l'album. Il y avait cette espèce de violence, cette espèce de cruauté qui imprégnait dans... Enfin, il y avait une ambiance particulière dans cet album. Je disais, tiens, ça, c'est pas commun, quoi. Voilà, une telle barbarie et puis vraiment aller vraiment dans quelque chose de vraiment viscéral, quoi. Il a traité ça de manière très réaliste et surtout ce qui m'a convaincu un petit peu, c'est on démarre l'histoire, tous les grands héros connus de l'histoire de la guerre de Troie, voilà, sont pratiquement tous morts et en fait on se retrouve qu'avec, vu que c'est les dernières 24 heures, il n'en reste plus beaucoup, hein, de grands héros. Donc c'est des personnages méconnus et là je me suis dit, ouais, il y a peut-être une vraie liberté à saisir et à aller chercher là-dedans. Et en fait, dans l'historique, ouais, c'est plus les personnages, les costumes, les décors aussi. Mais pour moi, les décors, voilà, bon, ça,
c'est un petit peu ce, c'est un petit peu ce, c'est secondaire quoi. Ok, ça marche. Ouais, moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les hit it, du coup, c'est bien ça. Je connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler avant ta BD. C'est une totale découverte et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant en fait. Voilà. Je te rassure, j'en avais peu ou pas entendu parler avant non plus. Ok, super, bon, voilà. Tout va bien. C'est qu'on a, ouais, c'est, ben, en essayant de remanier le scénario, on essayait de trouver, bah, justement, une approche un petit peu différente. Et c'est Mickaël, en cherchant, en fouillant, il est tombé, voilà, sur cette civilisation, donc Hittite, qui était contemporaine des pharaons de Ramsès. Et justement, Troie, la cité de Troie, se trouvait vraiment à la frontière de cet empire. On s'est dit, c'est bizarre, il y a une guerre qui a duré 10 ans. Les Hittites, voilà, c'était un empire bon, assez puissant. Ils ont quand même défait les armées de Ramsès, qui étaient réputées à l'époque, à Kadesh. Et ils ont laissé faire ça, quoi. Ils ne sont pas intervenus, ils n'ont pas cherché à... Surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on a une guerre, voilà, comme la guerre en Ukraine, bon, c'est quand même loin de nos frontières, mais ouais. C'est quand même aux portes de l'Europe, et c'est difficile de ne pas se sentir... voilà, quoi, les politiciens, tout ça, tout le monde s'en mêle, tout le monde veut, voilà quoi, tout le monde veut y aller, bon, bah, voilà quoi. Et on s'est dit à l'époque, c'est peut-être un peu ce qui s'est passé, il y a peut-être eu quelque chose, quoi. Donc on a choisi un petit peu cet angle d'attaque, voilà. Et on est en train de perdre Anne Perrine, je ne la vois plus. Elle va réapparaître, je pense. Elle va réapparaître, je pense, oui. J'espère. Voilà. Arnaud, du coup, toi, comment ça s'est fait pour Constantin de Chamberly, la rencontre avec Caribou, vous connaissiez déjà, c'est un peu son univers scénaristique Alors, en fait, je l'ai connu parce que avant qu'il me contacte, peut-être une semaine, deux semaines avant, j'avais vu ça à la César et j'ai trouvé ça très drôle. Ouais. Parce que le dessinateur de Salade César, Jocelyn, est aussi dans mon atelier. Il se trouvait que Caribou avait découvert mon travail par le site de notre atelier, mais qu'il savait pas quoi. Il avait bien aimé mes dessins, mais il ne savait pas quoi me faire faire à l'époque. Donc il a gardé mon nom en tête. Et ensuite, il y a eu le projet avec Constantin. Il m'a envoyé un mail en me demandant de collaborer avec lui si le scénario me plaisait. C'était dans mes spams en plus, alors que je ne regarde jamais mes spams, je vous jure. Et depuis, je regarde mes spams tous les jours. Il y avait une proposition justement pour Constantin. Et moi, ça m'allait parfaitement. Je trouvais l'univers très drôle. J'aime bien son humour. Et en fait, ça allait très vite. Je lui ai proposé des planches. Les planches ont été validées par Delcourt. Et ça s'est fait assez naturellement, en fait. Ok. Alors, moi, j'ai question pour Vincenzo. Ton univers du coup de science-fiction, il est vraiment très grand. C'est vraiment un univers super complet avec c'est l'espace, donc l'espace c'est infini, c'est grand. Et je voulais en fait te demander, ouais, comment tu as construit en fait cet univers? Comment tu as fait tes recherches? Est-ce que c'était un processus long aussi? Vas-y, raconte-nous un peu. Bon, en fait, c'était la première fois pour moi à dessiner la science-fiction. Normalement, je dessine les jolies nanas, les belles filles. Et c'était bizarre que l'éditeur et le scénariste m'ont proposé cet univers à créer, en fait. Okay. Et on avait passé une année pour créer l'univers, tous les concepts, les vaisseaux, les armes, les habillés, et surtout les personnages. Quand le scénariste m'a envoyé le scénario, je l'ai traduit avant tout pour comprendre l'histoire. Et j'ai dû créer les nouveaux personnages, les nouveaux planètes, les nouveaux vaisseaux, les nouveaux armes, car il va changer toutes les fois personnages. Et l'ambientation aussi, les décors. Alors, la chose plus importante qui m'a fait perdre beaucoup de temps, c'est la recherche de tous. Je suis obligé d'aller
à découvrir les concepts des vidéos ou des films pour étudier et créer une nouvelle voiture, un nouveau basseur et tout. Et voilà. En plus, c'est un exercice particulier que tu as, puisque Colonisation, c'est une série. C'est le tome 7 qui vient de sortir. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus. Donc, c'est pas. J'imagine que ce n'est pas du tout le même travail préparatoire sur une série où on sait que potentiellement. Enfin, voilà, il va falloir tenir le style, il va falloir garder l'univers voilà, sur plusieurs années que sur d'autres albums. Ou peut-être on est plus libre sur des one-shots. Enfin, je ne sais pas si les autres veulent rebondir sur ça. L'exercice de la série et du one-shot, c'est différent, non? Oui, bien sûr. Mais la série, en fait, elle est née pour proposer avec trois tomes. Mais le deuxième tome, il a marché très très bien. Alors l'éditeur il a proposé de continuer encore. Et le scénariste, alors il va continuer à organiser bien l'histoire. Et je suis en train de créer l'huitième. Et en fait, on avait un contrat pour la dixième, pour questa attend. Pour fermer la première saison. Oh. Ok, un premier cycle. Peut-être on continuera encore. Ok. Alors, moi j'ai des questions à propos. Là, on est en pleine séance, enfin pleine séance. Vous avez eu des dédicaces à faire du coup pour les 48 heures BD. Mais est-ce que dans votre vie entière, à Tribul, on aime beaucoup les ragots, on aime beaucoup les anecdotes. Get peut confirmer, on aime beaucoup les choses rigolotes. Et je voulais savoir, est-ce qu'il vous est arrivé à chacun d'entre vous quelque chose de drôle pendant une séance de dédicace? Quelqu'un qui vous a, je sais pas, sorti une dinguerie, vous avez, je sais pas, renversé de l'eau sur votre dessin, n'importe, une anecdote rigolote que vous avez envie de partager ici? Moi, je suis friande de ce genre de choses. Voilà. Olivier, par exemple, tu peux commencer? Je cherche, mais je n'ai pas de trucs hyper incroyables qui me soient arrivés. Quoi. Ça peut être plutôt des contextes où on se retrouve à un endroit où je sais pas, où il n'y a vraiment personne, on se demande vraiment ce qu'on fait là, ou ce genre de trucs, mais pas une dédicace ou une personne. Je n'ai pas de souvenirs comme ça. On peut peut-être compléter la question, on peut peut-être mettre une question à côté éventuellement. Est-ce que c'est un exercice? Est-ce que l'exercice de la dédicace, c'est quelque chose que vous aimez faire? Parce que tout le monde n'a pas le même rapport à la dédicace avec la rencontre avec le public. Ça peut être la question de Joker. C'est la question de Joker. Ouais, moi j'aime assez aussi parce que, bah, peut-être parce que, enfin voilà, je sais qu'il y en a qui font vraiment ça tous les week-ends et c'est peut-être fatigant. Moi, c'est aussi voilà l'occasion de sortir un peu de l'atelier, de voir rencontrer le public, rencontrer les autres auteurs. Enfin voilà, en général c'est des moments que j'aime bien. Enfin je pense souvent les salons, mais même en librairie. Enfin voilà, je sais que en général c'est plutôt des moments que j'aime bien. Ouais, sauf voilà quand ça se passe pas très bien ou qu'il y a personne ou voilà, mais de rencontrer les autres auteurs, de rencontrer le public, de voilà, c'est plutôt quelque chose que moi j'aime assez. Ouais. Benjamin, c'est quelque chose que tu aimes bien faire, les dédicaces, ou est-ce que tu as des anecdotes? Alors, la dédicace en soi, oui, j'aime aussi, hein, comme Olivier. Après, bah, oui, voilà, comme il dit, tout dépend le contexte. Bon, des fois, c'est arrivé, je crois qu'une fois, j'avais dédicacé dans un Cultura, il y avait vraiment personne, quoi, parce que bon, bah, les gens qui rentraient, bah, le problème avec un Cultura, c'est du cinéma, de la musique, y a tout, il n'y a pas que de la BD. Et du coup, bah, les trois quarts des gens qui passent à côté, ils te regardent un peu comme un extraterrestre. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il est gentil, il fait des dessins, le monsieur, regarde. Ah, bah oui, il est gentil. voilà, ce genre de truc. Bon, ça encore, c'est pas très grave. Après, ouais, la dédicace, rencontrer les gens, le public, oui, en général, discuter, j'aime beaucoup. Quoi.
Après, voilà, là où ça peut être épuisant, oui, c'est toute la journée, c'est discuter et dessiner en même temps, faire d'autres choses en même temps, c'est vite épuisant, et surtout quand on le fait tous les week-ends. Mmh. C'est vrai que voilà, il y en a beaucoup qui se mettent au tampon, ce genre de truc, bon, on peut critiquer et tout, mais c'est vrai que c'est... Il y a au moins un truc, c'est que c'est agréable et on peut vraiment profiter de la personne qu'on a en face de soi, quoi, pour vraiment discuter et parler du bouquin. Le dessin, ouais. C'est vrai qu'on fait, voilà, on le fait toute la semaine. Quoi. Après, des anecdotes drôles, oui, j'en ai eu une fois en dédicace, je crois que c'était sur Catamount, le premier. Il y en a un qui m'a demandé de lui dessiner carrément une bouteille de whisky. Je lui dis le rapport, il me dit c'est les cowboys, ça boit du whisky. Il dit j'ai jamais une bouteille de whisky. Je lui dis quelle marque. La marque, et puis voilà. Donc j'ai dessiné cette bouteille de whisky, il était content. Voilà. C'est sympa. C'est bizarre des fois. Vincenzo? Ah, ouais. Oh, pardon. De toute façon, tout le monde va y passer. Pas de soucis. Vincenzo, est-ce que tu as connu des anecdotes en dédicace, ou qu'est-ce que ça te fait d'aller en dédicace, toi? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que tu as des histoires drôles ou des événements un peu particuliers pendant une séance de dédicace avec les gens? Ah oui, les dédicaces par vous? Ouais. Oui. Oui, en fait, je suis arrivé à la 34 dédicaces déjà faites. Oh, pas mal. Oui. C'est ce que tu as fait là ce soir? Enfin, là pour les 48 heures BD? J'ai pas fait un dédicace in live. Je veux dire, tu as déjà fait 34 actuellement? Oui, exactement. Oui, exactement. Ah, c'est oui. Pas mal. Ouais, c'est pas mal, non. Ils sont beaucoup, regarde. Ils sont tous là. Quoi. J'ai à la chambre plein de papiers. Merci. Ah, Get a disparu. Bah, je me retrouve seule avec vous. Bon, écoutez. Arnaud, toi, est-ce que tu as des anecdotes, du coup? Est-ce que qu'est-ce que tu aimes en dédicace? Est-ce que c'est important pour toi, du coup, pour reprendre la question? Moi, j'aime bien les dédicaces. En plus, là, avec Constantin, la dédicace que j'ai eue, ça m'a permis de voir des personnes que je n'avais pas vues depuis des années, qui, à l'annonce de la sortie de l'album, en fait, m'ont recontacté et sont passés en librairie. Et il y avait des personnes comme ça que je n'avais pas vues. Il y avait une personne que je n'avais pas vu depuis peut-être 10 ans. Tu es vivant, on me dit. 10 ans. Est-ce que j'ai une anecdote? J'ai représenté des amis dans une scène de foule dans Constantin. Ah. Et du coup, il y a la... je sais plus, j'en ai parlé à la sœur d'une des personnes qui était dans cette foule. Et du coup, pour une de ses dédicaces, c'était de la rajouter dans la foule en plus. Donc j'ai carrément fait une carte. Est-ce que les gens, du coup, que t'as représentés, ils se sont reconnus dans ton dessin? Est-ce que t'as dit mais est-ce qu'ils t'ont dit c'est là moi, c'est moi là? Oui, mais c'est parce que je les avais prévenus avant. Donc en fait, d'accord. Il n'y a pas eu la surprise. Pour pas les laisser. Il n'y a pas eu la surprise de qu'ils se découvrent. Je sais pas si le. Ok. Non, je les avais prévenus. Ok, d'accord, mais pour éviter que quelqu'un. Pour éviter que quelqu'un se vexe ou ne soit pas d'accord? Non, parce que c'était juste leur tête. C'était des amis, donc c'était pour leur dire voilà, j'ai fait votre tête dans la foule, etc. Ok, d'accord. Et décidément. On a perdu Anne-Périne et Raphaël, mais bon, écoutez, on va continuer tous les cinq, du coup. J'espère qu'elles pourront nous rejoindre toutes les deux. J'ai une autre question, c'est concernant vos futurs projets. Est-ce que vous pouvez nous partager des choses? Qui commence? Allez, Olivier, commence. Partager, je n'ai pas
trop la possibilité de vous montrer des dessins parce que j'ai rien, enfin j'ai rien ici, c'est tout dans. Pour l'instant, c'est vraiment à l'état de début, mais c'est de nouveau avec Xavier Bettaucourt. C'est notre cinquième, je pense, ensemble. Et là, ça va être une histoire de nouveau plutôt assez légère qui va se passer avec sur le ton plutôt un peu une aventure humoristique, on va dire. De nouveau, un peu comme la septième fonction. Et okay. Ça va se passer dans les années 60 aux États-Unis. Et il va peut-être y avoir peut-être des extraterrestres et peut-être des nazis. Mais ça va falloir bien les chercher. Ouais. Alors, j'ai super hâte de voir le combo. Ça me paraît complètement what the fuck. Anne-Périne, tu es connue? Tu nous entends? Ton micro est coupé. Désolée, je galère. Ça n'arrête pas de se déconnecter. Pas de souci. Comme tu vois, Raphaël nous a quittés aussi. Sa connexion a disparu. Donc, je ne sais pas si tu as pu entendre la dernière question. Mais je voulais savoir, pour toi, en fait, est-ce que tu aimes les séances de dédicaces? Et est-ce que si tu avais des anecdotes drôles, parce qu'à la librairie, on est friand d'anecdotes et dragos, du coup, on voulait savoir si tu avais des choses. Ah, pour des anecdotes sur les dédicaces, c'est ça? Oui. Anecdotes pendant les dédicaces, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, pendant que, je sais pas, des gens qui t'ont demandé des choses bizarres, ou genre un petit malentendu, n'importe. Je sais pas mesure, c'est pas hyper drôle, mais sur les rencontres que j'ai pu avoir et que j'ai trouvé intéressantes, il y avait des gens qui étaient assez passionnés d'histoire, et donc ça a pu me permettre d'engager des discussions qui étaient vraiment hyper intéressantes. Il y a des gens qui faisaient de la recherche universitaire par exemple et qui étaient passionnés de recherche. Et donc, on a pu échanger sur ça. Il y a aussi un vieux monsieur qui est venu à Quai des Bulles et qui a commencé à me raconter tout son voyage de jeunesse, justement, dans les pays, la Hongrie, l'Autriche, etc. Enfin, voilà, qu'il avait fait avec sa compagne. Lui, il s'est assis, il a commencé à me raconter tout ça. C'était hyper marrant. Mais moi, j'ai bien aimé, en fait. Je trouvais ça chouette. Et voilà, il y a un monsieur qui est venu qui était passionné de cinéma tchèque et donc il m'a donné plein de références aussi. Donc ça, c'est trop cool. Enfin, moi, j'adore discuter avec des gens. Cinéma tchèque. Ouais. Ok, ouais. Super bien. Get, tu nous as rejoint. Pardon, j'ai eu un petit problème de connexion. J'ai manqué plein d'anecdotes, c'est ça. Tu as manqué des anecdotes de Anne-Périne, du coup. Et entre-temps, je suis passée, du coup, pour vous deux qui venez d'arriver, je suis passée à une autre question, c'était les futurs projets. Et donc, Olivier a répondu, on aura peut-être quelque chose avec des nazis et des extraterrestres. c'est trop bien. Voilà. Mais bien sûr. Benjamin, est-ce que toi, tu peux nous parler de tes futurs projets, si tu en as, vas-y. Alors, oui. Donc, c'est par rapport à Vicenzo. Tout à l'heure, quand il parlait de colonisation, en fait, quand il parlait de la recherche, tout ça et tout, c'est en fait, je suis en plein dedans parce que je fais une BD de science-fiction chez Glénat aussi, une trilogie. Oh, c'est trop bien. Noir Horizon avec Philippe Pélez au scénario. Voilà. Ok, on va suivre la même chose qu'a fait Vincenzo sur colonisation, quoi, c'est-à-dire recherche de vaisseaux, recherche de costumes, recherche. Beaucoup de recherches. Et c'est pas trop la galère? Pardon? C'est pas trop la galère de faire les recherches? Ça prend du temps. Ouais, ok. D'accord. Ça prend du temps et oui, au début, il y a beaucoup de choses pas terribles. Et puis à force d'insister, c'est un vrai... pour les vaisseaux notamment, c'est un vrai travail de design, vraiment. Il faut vraiment bosser sur la forme du vaisseau, quoi, parce qu'il faut qu'il ressemble à aucun autre. Et c'est ça la difficulté, parce qu'il y a tellement de vaisseaux emblématiques qui ont été créés que c'est dur. Ouais. Vous travaillez, c'est une petite parenthèse quand même, peut-être un peu dessin, vous travaillez toutes et tous en numérique, un peu en traditionnel. Quels sont vos outils de prédilection, peut-être juste rapidement pour... Moi, je suis plus traditionnel. Après, la couleur est surtout numérique et je fais mes couvertures en numérique. Après, je sais faire du numérique, mais j'aime garder
le dessin, le storyboard fait main. Donc, d'accord. Et toi, Olivier, du coup ? Moi, c'est un peu les deux. En fait, depuis quelques années, je me suis mis à tout ce qui est storyboard. Maintenant, je fais un storyboard qui me sert de base de crayonné, en fait. Et ça, je le fais au numérique, avec la tablette écran. Après, j'imprime et je fais l'ancrage à la table lumineuse en traditionnel, soit à la plume, le dernier, c'est avec différents types de stylos. Et après, après les couleurs, en général, c'est pas moi qui fais les couleurs, mais en général, c'est toujours des couleurs numériques pour le coup, donc je rescanne et voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé l'outil je suis pas suffisamment satisfait de ce que je fais à l'ancrage avec les outils numériques. Je sais pas, il y a encore un truc en termes de sensation pour le crayonné, ça va, parce que après, je le reprends un peu sur le papier, mais il manque encore un truc, peut-être que c'est pas le. En fonction de la tablette, quoi, je sais pas, mais donc je suis un peu les deux, le côté pratique du numérique pour aller un peu plus vite au début, et après quand même le rapport au papier, au geste sur la finalisation du dessin, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, les deux. Okay. Et toi, du coup, Anne-Périne, tu dessines avec numérique ou tradi, et est-ce que tu as des futurs projets? Là sur Batory, j'avais fait storyboard en numérique. Après les planches, c'est du crayon à papier et les couleurs, c'était numérique. Il y avait juste une couleur en fait. On a fait un Pantone, donc c'est juste une couleur à la tablette. Et là, je travaille sur un autre livre avec les éditions Steinkiss aussi sur leur collection qui s'appelle Dyad et qui raconte des histoires de couples célèbres. Et donc c'est le scénario, c'est Ingrid Chabert. Et on travaille sur l'histoire de la passion entre Simone de Beauvoir et Nelson Algren, qui était son amant américain, voilà, avec lequel elle a eu une histoire tumultueuse. On a eu Morane Mazar en dédicace dans la semaine pour Les choses sérieuses, l'album qui est pas dans la même collection. C'est super. On a hâte de lire ça. Je suis revenue. Oh. Ah, t'étais partie? J'étais partie, ouais. J'étais restée sur Simone de Beauvoir, ça a l'air super intéressant. Moi, ça me hype. Il y a beaucoup d'ouvrages sur Simone de Beauvoir, mais c'est vrai que sur son couple, sur sa passion, j'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément. Donc, ouais, ça a l'air vraiment cool. Je suis partie pendant longtemps. Non. Donc, tu travailles. Aussi, tu as aussi un rapport important avec le papier ou tu travailles exclusivement sur tablette maintenant numérique. Je travaille avec l'ordinateur numérique, ouais. Mais j'adore les papiers, les crayonnés, la technique à moi, je l'adorais. Mais en fait, depuis que j'ai découvert le numérique, je ne peux abandonner jamais. C'est trop plus facile. C'est plus haletant, en fait, avec les niveaux, les levels. Il y a un vrai gain de temps. Oui, c'est possible de séparer les backgrounds avec les personnages. Et quand le scénariste et l'éditeur qui regardent mon travail, et il y a beaucoup de changements à faire, je les peux faire plus pratiquement avec les choses séparées. Voilà. À moi, sera plus difficile parce que j'utilise normalement la 2B. C'est très soft. Okay. C'est la crayonnée. Oui. Mm. C'est la. Je sais quoi, les micromines. La 2B. Et ils sont très difficiles à. À cancellare, oui. À gommer. C'est. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, Arnaud? Alors, je fais surtout en traditionnel. J'ai toutes mes habitudes en traditionnel sur tout ce qui est ancrage, etc. Et la couleur, surtout sur Constantin, c'est du Photoshop, parce que c'est plus simple après pour changer couleur, surtout que je change souvent d'idée de couleur au dernier moment. Et donc, c'est plus pratique. Mais j'aimerais bien passer en tout numérique, mais je n'y arrive pas, en fait. J'arrive pas à avoir les mêmes traits sur une tablette. Donc, pour l'instant, on verra après.
Et pour mes futurs projets, c'est encore à l'état de projet, c'est pas encore proposé d'éditeur. Mais Caribou, là, avec qui j'ai fait Constantin, m'a proposé une idée de scénario qui serait du fantastique 19e. Et je fais un début de collaboration aussi avec Pascal Amine Intéressant, qui a sorti Plein Feu sur les scalpes milanaises chez Exemplaire, et qui m'a proposé une idée de scénario fantastique médiéval. Donc ce serait plutôt sur des BD sérieuses, contrairement à Constantin qui était plutôt drôle. Mm-hmm. Mais et les deux, ce serait dans le fantastique. Moi, j'aime bien dessiner le fantastique, donc ils ont fait ça aussi en fonction de ma zone de confort de dessin. Et voilà, je travaille dessus. Là, j'ai des recherches pour la BD avec Pascal. Voilà, c'est de l'avant-première. Ah, super. L'avant-première n'a pas été acceptée, donc c'est moi, mais et voilà. Bah si, en tout cas. C'était riche. J'avais encore une question. Il y a deux minutes, j'avais une question en tête et elle m'a échappé. Donc on n'arrive pas à la retrouver. Je m'en excuse. En plus, c'était une bonne question pour conclure. Clémence, est-ce que tu as encore... Moi, j'ai posé les questions que j'avais dans ma tête et on s'approche doucement de la fin. En fait, du coup, je ne peux pas poser encore de questions. Oui, si, ça y est, j'ai retrouvé ma question. Pardon. Bah, voilà. En tout cas, là, sur les projets qu'on a présentés, il y a Cam Perrin qui est autrice complète sur l'album. Autrement, vous avez tous les quatre, oui, un scénariste avec vous. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est essentiel ou est-ce que vous imagineriez travailler être auteur complet aussi sur des projets? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Moi, je l'ai déjà fait. Mon deuxième bouquin, j'étais auteur complet. Après, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai encore des idées, des projets sur lesquels je travaille, j'essaie d'avancer, mais je suis quand même assez laborieux, on va dire. Et plus le temps passe, plus je m'éloigne de cette pratique du scénario, plus c'est laborieux. Ouais. Mais je perds pas espoir, mais après, c'est vrai que l'avantage, là, en ce moment, l'avantage qu'il y a de travailler avec Xavier, donc le scénariste, avec qui je travaille depuis 4 livres, bah, c'est que lui, il me propose, ça va plus vite, il me propose des choses, il maîtrise beaucoup mieux son affaire que moi, il me propose des choses qui m'intéressent et qui sont souvent éditables, en tout cas qui marchent. Moi, j'ai rien de garanti que si j'amène un scénario à un éditeur, il le valide. Donc, il y a un peu des deux. Il y a aussi le fait que je prenne du temps et le fait que, pour l'instant, ça va plus vite de travailler avec Xavier. Si je veux travailler, c'est plus efficace de travailler avec Xavier. Mais bon, je ne perds pas espoir. Je l'ai déjà fait et j'espère que je le referai. Mm-hmm. Benjamin, tu acquiesces aussi Pareil, ouais. Alors moi, c'était pour ma première série où j'ai démarré, j'étais tout seul. Alors que c'était l'adaptation donc, d'un roman, parce que Catamount, ce sont des romans à l'origine. Du coup, les deux premiers tomes, ça a été à peu près, même si c'était beaucoup de boulot, beaucoup d'énergie. Parce que déjà, pour la série, les délais sont plus courts. Parce que faut de la régularité. Et du coup, lire le roman, l'adapter, l'écrire. Donc, ça prend du temps. Et derrière, on a un délai très court pour faire le dessin et la couleur, le storyboard. Les dialogues aussi, ça se pense et ça se réfléchit, donc ça prend du temps aussi à bien travailler ces dialogues. Et en fait, moi, à la base, le scénario, c'est pas mon truc, c'est pas inné chez moi, en fait. Voilà. Mmh. Moi, j'aime bien raconter par l'image, ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est la mise en scène. En fait. Ouais. Je suis pas assez mûr encore pour ça, quoi. C'est pour ça que sur Catamount, le 3, j'ai eu l'aide de Gaëtan Petit, sur le 4, c'est lui qui a carrément, qui a repris l'adaptation de... au scénario. Moi, j'ai pu me concentrer uniquement sur les dessins. Et pour l'instant, moi, c'est quelque chose que je trouve plus efficace. En termes de travail, pour moi, ça m'allège vraiment et je peux vraiment me concentrer sur l'essentiel, quoi. Sur ce qui me plaît vraiment, c'est-à-dire le dessin, la mise en scène et l'ambiance. Mmh. Et pareil, du coup, donc maintenant, je travaille qu'avec des scénaristes. Et pour l'instant, ça m'a fait. Vincenzo? Oui.
Quelle est la question? Pardon. La question, c'est, pas de problème. La question, c'est est-ce que tu pourrais travailler seul sur un projet, c'est-à-dire faire et le scénario et le dessin? Ou est-ce que tu préfères travailler avec un scénariste? Normalement, seulement le dessin, pas le scénario. Pas le scénario. Ok. Ouais. Je préfère faire comme les Chinoises. Je dis ça seulement. C'est impossible. C'est impossible. Oui, oui, oui. Arnaud ? Oui, alors j'avais une toute petite carrière d'auteur complet avec une BD que j'avais fait chez Spirou, qui s'appelait Oswald le Cafard, mais c'était vraiment une BD en strip très court. Okay. D'humour aussi. Moi, j'aimerais bien raconter mes propres histoires, mais c'est compliqué le scénario en fait. Donc là, je suis en train de lire un énorme livre de scénario pour apprendre comment faire ça. Mais c'est vrai que donc, j'écris mes projets de scénario en attendant de voir le moment où je serai capable de faire les deux. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est assez reposant de travailler avec un scénariste. Parce que lui, il écrit toutes les blagues, tous les textes. Et moi, j'ai juste à me concentrer sur l'univers et sur le dessin. Et c'est vrai que c'est très pratique. Pardon, je touche. Et Anne-Céline, du coup, passer de... Pour terminer, passer de la comtesse Bathory sur laquelle tu étais triste complète à là, une collaboration, ça ne doit pas non plus être facile de faire ça dans l'autre sens. Quand on a travaillé seul pendant un moment, de se retrouver avec quelqu'un, donc ça se passe bien. Non, ça va, ça se passe bien. Après, avant ça, j'avais travaillé sur les projets collectifs, certains avec des scénaristes aussi. Donc ça va, j'aime bien, en fait, j'aime bien les deux. Là, j'aime bien travailler avec une scénariste, je trouve ça chouette. Là, j'ai d'autres projets avec un scénariste aussi, mais j'aimerais bien écrire des trucs moi. Enfin, j'ai des idées, des projets aussi, donc j'alternerai les deux, je pense que c'est bien. Ça varie comme ça. Ok. Super. Eh ben, merci, on arrive à la fin de cette émission. Un grand merci à vous tous d'avoir accepté de prendre une heure de votre temps pour parler pendant ces 48 heures BD. Voilà, on rappelle que tous vos albums sont disponibles en librairie indépendante. Il faut y aller. Allez chez votre libraire, lisez tous ces albums. Profitez encore des dédicaces à distance si vous souhaitez. Il y a encore des places pour s'inscrire. Donc pareil, vous avez vraiment la chance d'avoir des gens qui donnent de leur temps pour faire des super dessins. Donc voilà, saisissez cette chance. Encore merci beaucoup, Olivier, Benjamin, Catherine, Vincenzo, Arnaud, Clémence. On se revoit demain. Un grand merci, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Bon travail à tous. Demain. Ouais, salut.